Bonsoir à tous. Bonsoir Anne V13, bonsoir 64 Olys, j'espère que vous allez bien ce soir et bonsoir d'ailleurs à l'autre personne qui n'a pas encore fait un petit coucou sur ce stream. On va attendre un petit peu avant de commencer la lecture pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. J'ai vu que tu faisais un puzzle Anne, j'adore ça, c'est mon nouveau hobby du moment. J'adore ça, je trouve que c'est le truc le plus apaisant du monde en fait. Donc je pense que combo lecture plus puzzle, ça doit être le best truc ever. Je suis trop contente de t'accompagner ce soir pour cette petite activité du soir. Je viens de manger, du coup je suis un peu stressée d'avoir des trucs dans les dents. J'ai fait ça hyper vite parce que j'étais en retard comme d'habitude. Et j'hésite un peu à ouvrir ça maintenant parce que comme la dernière fois on s'était dit qu'on ferait des petites dégustations pendant le stream, j'ai acheté des nouveaux trucs pour que ça soit un peu fun de voir mes moments pause boisson avec moi. Mais en fait il n'y a pas beaucoup de monde donc je sais pas mais j'ai envie de le boire donc je vais vous le montrer. J'ai acheté le nouveau truc Perrier Energize pour avoir de l'Energize avec de la caféine, du yerba maté à la grenade. Je suis pas du tout friande de trucs à la grenade mais l'autre goût c'était mandarine et je me suis dit que ça serait encore plus chier. Coucou, enchantée, je suis stupide, ravie de te voir sur ce stream. C'est la première fois que je te vois. Donc on va faire le petit moment ASMR. Donc comme je vous avais expliqué, on va commencer la nouvelle lecture donc, de la rentrée scolaire, à savoir la mémoire d'Adrien qui est au programme du bac cette année. J'ai jamais lu Marguerite Yourcenar à vrai dire, donc ça sera une découverte pour moi également. Mais je pense que je serais quand même à même de faire des remarques et des analyses au fil de la lecture, vous inquiétez pas. C'est pas comme si j'avais pas fait ça pendant 5 ans de ma vie, donc ça va. Coucou croûte de genoux, coup de coups en MM. Ah c'est cool, il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. C'est super gentil d'être quand même passé pour nous faire un petit coucou. J'essaierai de poster les rediffs au plus vite, mais elles seront postées hein, si jamais il y en a qui n'ont pas trop le temps ce soir. Pour le bac de lettres, ouais, je sais pas comment se passe le programme aujourd'hui, je crois que d'ailleurs les notifications SL et ES ça existe même plus en bac généraliste, mais que ce soit professionnel ou généraliste, il y a des lectures imposées et qui sont catégorisées par genre, en gros. J'en ai fait pas mal durant ces dernières années parce que le programme bouge pas forcément. Mais j'avais pas encore testé Marguerite ou Yourcenar. Donc on avait donc pour le programme de littérature dans la catégorie, je sais même plus dans quelle catégorie elle est classée, attendez on va regarder vite fait. Ça fait vieux pour moi tout ça mais il me semble non qu'il n'y a plus de bac L, E, S, S, ça n'existe plus non? Donc dans la catégorie le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle, c'est hyper large, il y avait soit Madame de Lafayette, Le Rouge et le Noir de Stendhal, ou Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien. Donc on a déjà lu Le Rouge et le Noir, et c'était une hésitation entre Lafayette et Adrien. Et finalement, ben, on est tombé sur Adrien. Ça a été assez serré, mais bon, j'ai obtempéré pour le choix en majorité. Ok, merci pour ces précisions S100MM. Donc peut-être que c'est moins majoritaire qu'avant, mais c'est vrai qu'à mon époque, on avait une heure, deux heures imposées. Et en première, c'était un corpus de texte. Donc toutes les œuvres qui sont au programme, c'est pas des œuvres forcément que moi j'ai pu avoir l'occasion d'étudier. Il y en a oui parce qu'elles sont assez connues. Mais en revanche, les mémoires d'Adrien, j'ai jamais lu. Ah ouais, c'est hyper hétéroclite, maths et philo. Je pense que j'aurais jamais et définitivement jamais choisi maths. Je suis une vraie bille en maths. Je pense que moi j'aurais choisi français la base. Et quoi d'autre après? J'étais que... quelle histoire? Je pense que j'aurais pris histoire. Ou une langue, même si je suis très mauvaise en langue. Il est 21h, on va pas tarder à commencer. Est-ce que vous voulez que je vous lise le... Oh, ça va peut-être être très scolaire pour vous, mais... Bonsoir Imbam, Imbad, Fad, j'arrive toujours pas à prononcer ton pseudo, je suis désolée, mais je suis ravie de voir le petit picto devant ton pseudo, ça me fait trop plaisir.
Oh, trop dommage, croûte de genou. Bon, je te fais un petit bisou pour les rediffs. Désolée pour ceux qui n'arrivent pas à suivre le débit. J'essaie de faire au mieux, mais j'ai toujours pas amélioré ma qualité d'ordinateur. Mais bon, dommage. Ah, c'est super bien. C'est beaucoup mieux qu'à mon époque parce que tu avais beaucoup de matières imposées. Moi, on va dire que j'avais pas trop de difficultés dans les. Je sais, enfin, à l'époque, il y avait deux types de lettres. Il y avait les L. Dit classique et les L en langue. Et donc moi j'étais faisais plus partie de la catégorie L classique, donc je m'en sortais plutôt bien en histoire, français et philo. Par contre j'étais très mauvaise en langue, donc très très mauvaise surtout en anglais, donc j'avais pris une troisième langue qui était l'italien pour inverser toutes mes langues et mettre italien en premier et espagnol en deuxième et anglais en troisième pour espérer avoir une bonne moyenne. Ce qui a fonctionné au final, parce que dans les langues un peu... pas aléatoire, mais les langues secondaires, les exigences sont moindres, donc j'ai réussi à me débrouiller comme ça. Lady, je pense que je vais essayer de retenir. Je suis très mauvaise pour retenir les prénoms, mais je vais essayer de faire en sorte de retenir ça. Ah, c'est étonnant, c'est pas sur 2 ans la philo? C'est juste en terminale, tu dois l'enlever. C'est particulier quand même, mais c'est intéressant. En fait, c'est une façon de travailler qui est beaucoup plus américaine. Parce que c'est vrai qu'il me semble qu'aux États-Unis, tu peux choisir un peu les matières que tu veux. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont nuls en géo, parce que bah, ils choisissent jamais ça. Bon. Après ce débat sur les lettres, je dois vous dire que le Perrier Energize, sponsorisez-moi Perrier, est bon, mais... Ça goûte le Perrier avec un petit goût acidulé. Le goût, en fait, en soi, n'a rien de transcendant. Si vous voulez mon avis, le Perrier Nature, c'est vraiment meilleur. Après, d'après la communication de Perrier, ça me donnera un petit coup de boost. Donc, voyons, on va voir si ça me donne un petit coup de boost. Sinon, j'ai acheté un autre truc. Mais je pense, je suis pas sûre d'aimer, mais je pense que ça va être marrant. Je verrai si je le teste ce soir ou demain. Puisque le stream dure toute cette semaine, donc... T'inquiète pas pour moi, 64 litres, j'ai tellement de retard de sommeil, enfin de sommeil en retard que quoi que je boive le soir, caféine, tout ce que tu veux, je dors. Ah, t'as goûté? Ouais, t'as vu, c'est pas... Bah, je trouve que les trucs San Pellegrino aux fruits rouges et aux fruits là est beaucoup plus marqué au niveau du goût, là c'est vraiment léger. Mais ça... ça a pas de goût quoi. Franchement... Moi je m'attendais, en plus comme il y a maté, je sais pas, je m'attendais à un truc un peu spécial, mais c'est vraiment pas... Marketing quoi. Bon, je voulais vous demander avant qu'on commence vraiment, qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez que je vous lise la préface? Je sais même pas s'il y en a une en fait. En fait, il y en a même pas. Bon bah ça, voilà. Ça répond à ma question. Par contre, je vais peut-être regarder avant de commencer le sommaire parce que je vois que les chapitres sont l'air en des titres un peu intéressants et on pourra peut-être en parler un peu. Alors donc la postface donc accompagne le livre avec des notes et un index, mais les chapitres en fait ne sont pas vraiment des chapitres, c'est des comment je pourrais appeler ça? Des parties. Il y en a 6. Et elles sont en latin. Alors, je parle pas latin. Et j'avais eu l'idée, la prétention de croire que je pourrais traduire un peu à l'œil, mais je peux pas. Donc, ceux qui font du latin, peut-être pourront nous aider. Et sinon, bah, on va voir ça, on va deviner au fur et à mesure. Donc, la première partie commence par anim. C'est pire que l'anglais, c'est phobique. Animula. Vagula, blandula. J'ai honte de mon faux latin là, c'est gênant. Donc je sais pas ce que ça veut dire. On va voir comment ça évolue. J'espère vraiment que je serai à la hauteur de ce livre et que j'arriverai à vous donner des petits commentaires parce que bon, pour l'instant, je découvre comme vous, hein. Donc on verra. Et puis s'il y en a qui veulent apporter d'ailleurs des commentaires et des réflexions au stream, n'hésitez pas, ça permettra en plus à ceux qui écoutent vraiment le live pour leur bac de les accompagner et de les aider. Et d'ailleurs, pour la team Rediff, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai ou peut-être que la communauté y répondra pour vous si vraiment vous avez des doutes. On va pas faire vos devoirs à votre place.
Je vous vois parce que chaque année j'en ai qui me posent des questions, qui me prennent pour un jambon, mais je vais vous accompagner. Ça va bien aller cette année et vous allez réussir votre bac de français pour ceux qui prennent le français en option. Alors, donc la première partie commence par une lettre. Est-ce que ça va être un récit en correspondance, on va voir. Un récit épistolaire, voilà. Je ne pense pas, mais on va voir. Mon cher Marc, je suis descendue ce matin chez mon médecin Hermogène, qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. L'examen devait se faire à jeun. Nous avions pris rendez-vous pour les premières heures de la matinée. Je me suis couchée sur un lit après m'être dépouillée de mon manteau et de ma tunique. Je t'épargne des détails qui te seraient aussi désagréables qu'à moi-même, et la description du corps d'un homme qui avance en âge et s'apprête à mourir d'une hydropysie du cœur. Disons seulement que j'ai toussé, respiré et retenu mon souffle selon les indications d'Hermogène, alarmé malgré lui par les progrès si rapides du mal et prête à en rejeter le blâme sur le jeune Iolas qui m'a soigné en son absence. Il est difficile de rester empereur en présence d'un médecin et difficile aussi de garder sa qualité d'homme. L'œil du praticien ne voyait en moi qu'un monceau d'humeur, triste amalgame de lymphe et de sang. Ce matin, l'idée m'est venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme, n'est qu'un monstre sournois qui finira par dévorer son maître. Paix. J'aime mon corps. Il m'a bien servi et de toutes les façons, et je ne lui marchande pas les soins nécessaires. Mais je ne compte plus, comme Hermogène prétend encore le faire, sur les vertus merveilleuses des plantes, le dosage exact de sels minéraux qu'il est allé chercher en Orient. Cet homme pourtant, si fin, m'a débité de vagues formules de réconfort, trop banales pour tromper personne. Il sait combien je hais ce genre d'imposture, mais on n'a pas impunément exercé la médecine pendant plus de 30 ans. Je pardonne à ce bon serviteur cette tentative pour me cacher ma mort. Hermogène est savant, il est même sage, sa probité est bien supérieure à celle d'un vulgaire médecin de cour. J'aurais pour lot d'être le plus soigné des malades. Mais nul ne peut dépasser les limites prescrites. Mes jambes enflées ne me soutiennent plus pendant les longues cérémonies romaines. Je suffoque et j'ai 60 ans. Alors, je vais juste faire un petit aparté pour aller voir deux, trois définitions. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une hydropysie du cœur? Une hydropysie est un terme médical pour désigner tout épanchement de sérosité dans une cavité naturelle. Ça nous avance bien. Il pourrait donc être synonyme d'œdème. Ok, mais dans le cœur? Bon, il est atteint d'une maladie grave apparemment. Ensuite, est-ce qu'on pourrait avoir une aide de Hermogène? Parce que l'introduction dans tous les livres en littérature, d'autant plus si vous êtes vraiment en études, ça fait partie des thèmes, des chapitres clés dans un roman, donc il faut vraiment être attentive au style, à la rythmique, au personnage protagoniste et la façon dont c'est arrivé. Et là, dès le premier paragraphe, on arrive donc, on est dans un point de vue omniscient. Le personnage raconte sa vie, nous introduit dans sa personnalité, donc on comprend que ça va être un roman déjà plutôt psychologique. C'est un homme plutôt défaitiste, il arrive vers la mort, il a seulement 60 ans. Donc ça nous rapporte aussi à une idée que on n'est pas à la même époque qu'aujourd'hui. Le fait qu'il parle de médicaments par les plantes, etc., ça nous offre une autre temporalité que la nôtre. Néanmoins, ça reste assez contemporain. Donc allons voir comment Yourcenar va évoluer avec ce protagoniste. Hermogène, donc le médecin de ce fameux personnage, est un nom emprunté du grec et c'était donné aussi un. C'est le nom d'un philosophe grec. Du 5e siècle. Donc voilà, il y a toute cette ambiance qui tourne autour de l'univers d'Adrien. J'espère que je vous perds pas trop dans mes commentaires. Ne t'y trompe pas, je ne suis pas encore assez faible pour céder aux imaginations de la peur. Presque aussi absurde que celle de l'espérance,
et assurément beaucoup plus pénible. S'il fallait m'abuser, j'aimerais mieux que ce fût dans le sens de la confiance. Je n'y perdrais pas plus et j'en souffrirais moins. Ce terme, si voisin, n'est pas nécessairement immédiat. Je me couche encore chaque nuit avec l'espoir d'atteindre au matin. À l'intérieur des limites infranchissables dont je parlais tout à l'heure, je puis défendre ma position pied à pied et même regagner quelques pouces du terrain perdu. Je n'en suis pas moins arrivée à l'âge où la vie, pour chaque homme, est une défaite acceptée. Dire que mes jours sont comptés ne signifie rien. Il en fut toujours ainsi. Il en est ainsi pour nous tous. Mais l'incertitude du lieu, du temps et du mode qui nous empêche de bien distinguer ce but vers lequel nous avançons sans trêve diminue pour moi à mesure que progresse ma maladie mortelle. Le premier venu peut mourir tout à l'heure, mais le malade, sait qu'il ne vivra plus dans 10 ans. Ma marge d'hésitation ne s'étend plus sur des années, mais sur des mois. Mes chances de finir d'un coup de poignard au cœur ou d'une chute de cheval deviennent de plus en plus minimes. La peste paraît improbable, la lèpre ou le cancer semblent définitivement distancés. Je ne cours plus le risque de tomber aux frontières frappées d'une hache calédonienne ou transpercée d'une flèche parte. Les tempêtes n'ont pas su profiter des occasions offertes, et le sorcier qui m'a prédit que je ne me noierais pas, semble avoir eu raison. Je mourrai à Tibur, à Rome ou à Naples tout au plus, et une crise d'étouffement se chargera de la besogne. Serais-je emporté pour la 10e crise ou par la 100e? Toute la question est là. Comme le voyageur qui navigue entre les îles de l'archipel, voit la buée lumineuse se lever vers le soir et découvre peu à peu la ligne du rivage, je commence à apercevoir le profil de ma mort. Donc, le décor se tisse un peu plus. L'introduction, elle nous emmène direct vers un des thèmes qui sera principal du récit, à savoir la réflexion autour de la mort. Cet homme se sait condamné. Il n'a pas d'amertume à le vivre. Par contre, le fait qu'il s'épanche à son ami à ce sujet va nous offrir à nous, en écho, une réflexion sur la mort. Ce qui peut être assez intéressant, premièrement en termes de bibliothérapie, mais aussi en termes de réflexion littéraire. Coucou Chaotique Énergie. Moi aussi j'aime beaucoup pour l'instant, je suis vraiment happée par le style de Marguerite Yourcenar. Je trouve ça fin... C'est vraiment fluide à lire, très agréable. J'espère que l'écoute est partagée d'ailleurs. Dites-moi si je vais trop vite ou pas, que je m'adapte à vous aussi. Déjà, certaines portions de ma vie ressemblent aux salles dégarnies d'un palais trop vaste, qu'un propriétaire appauvri renonce à occuper tout entier. Je ne chasse plus. S'il n'y avait que moi pour les déranger dans leurs ruminements et leurs jeux, les chevreuils des monts Étruries seraient bien tranquilles. J'ai toujours entretenu avec la Diane des forêts les rapports changeants et passionnés d'un homme avec l'objet aimé. Adolescent, la chasse au sanglier m'a offert mes premières chances de rencontre avec le commandement et le danger. Je m'y livrais alors avec fureur, mes excès dans ce genre me firent réprimander par Tarjan. La curée dans une clairière d'Espagne a été ma plus ancienne expérience de la mort, du courage, de la pitié pour les créatures et du plaisir tragique de les voir souffrir. Homme fait, la chasse me délaissait de tant de luttes secrètes avec des adversaires tour à tour trop fins ou trop obtus, trop faibles ou trop forts pour moi. Ce juste combat entre l'inintelligence humaine et la sagacité des bêtes fauves semblait étrangement propre comparé aux embûches des hommes. Empereur, mes chasses en Toscane m'ont servi à juger du courage ou des ressources des grands fonctionnaires. J'y ai éliminé ou choisi plus d'un homme d'État. Plus tard, en Bithynie, en Cappadoce, je fis des grandes battues, un prétexte de fête, un triomphe automnal dans les bois d'Asie. Mais le compagnon de mes dernières chasses est mort jeune, et mon goût pour ses plaisirs violents a beaucoup baissé depuis son départ. Même ici, à Tibur, l'ébrouement soudain d'un cerf sous les feuilles suffit pourtant à faire tressaillir en moi un instinct plus ancien que tous les autres, et par la grâce duquel je me sens guépard aussi bien qu'empereur. Qui sait ? Peut-être n'ai-je été si économe de sang humain que parce que j'ai tant versé celui des bêtes fauves, que parfois, secrètement, je préférais aux hommes. Quoi qu'il en soit, l'image des fauves me hante davantage et j'ai peine à ne pas me laisser aller à d'interminables histoires de chasse qui mettraient à l'épreuve la patience de mes invités du soir. Certes, le souvenir du jour de mon adoption a du charme, mais celui des lions tués en Mauritanie n'est pas mal non plus.
Coucou Inès, ça me fait plaisir de te voir ici. J'espère que tu aimes bien la lecture. Le découpage est très pratique pour moi, je peux vous faire des commentaires assez souvent. Donc c'est cool, on va pouvoir avoir un échange assez fructueux ce soir. Je voulais juste revenir sur le dernier paragraphe parce que c'est assez intéressant. Je vois que auparavant le protagoniste avait une réflexion sur la mort par rapport à sa fin, mais là il confronte la mort et il confronte sa réflexion sur la mort d'un autre point de vue puisqu'il parle de la chasse et donc lui il se fait acteur dans la mort et il n'est plus victime de la mort. Donc on va dire que c'est une construction en parallèle qui permet d'avoir tout un panel de réflexions sur le même thème. Est-ce que ça va être un déroulé comme ça tout le long de l'histoire? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une piste à aborder si jamais vous voulez étudier un peu plus en détail cette œuvre. Coucou Ponks, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente pour l'instant, c'est vrai que moi j'avais... Comme je t'avais dit sur Insta, j'avais pas trop kiffé la réécriture du Minotaure qu'elle avait proposé, que je trouvais trop imbuvable en fait, trop illisible. Mais là pour l'instant, je suis très surprise en positif, donc je suis contente de lire cette œuvre avec vous. Et merci beaucoup pour le compliment, ça me fait plaisir. J'essaie de m'améliorer dans ma lecture d'ailleurs, je vous l'ai dit maintenant. Parce que bon, c'est pas encore fait, mais ça va se faire. Je me suis inscrite dans un club de lecture pour améliorer ma lecture et j'espère que ça va vraiment m'aider à améliorer la qualité des streams. J'ai vraiment hâte de commencer parce que c'est en groupe et tout et j'ai jamais fait ça de ma vie donc je suis trop contente. Alors, où est-ce qu'on en trouve ce personnage? Parce qu'on s'est arrêté avec l'idée que tous ces récits de guerre, de conquête, d'action, c'est un homme quand même de pouvoir qui aimait dominer, qui aimait tuer, et qui mettrait ses souvenirs-ci au même échelon que son adoption. Est-ce qu'il va parler de son adoption ou bien de ce massacre de lions en Mauritanie? On va le voir. Ah non, c'est pas vers là qui découle. Il expliquait que la chasse, c'était dur pour lui d'y avoir renoncé parce que c'était vraiment un plaisir maximal que de pouvoir avoir ce sentiment de conquête et de domination et qu'il s'est l'a grandi autour de ça. D'autres choses lui manquent. Le renoncement au cheval est un sacrifice plus pénible encore. Un fauve n'est qu'un adversaire, mais un cheval était un ami. Si on m'avait laissé le choix de ma condition, j'eusse opté pour celle de Centaure. Entre Boristan et moi, les rapports étaient d'une netteté mathématique. Il m'obéissait comme à son cerveau et non comme à son maître. Ai-je jamais obtenu qu'un homme en fît autant? Une autorité si totale comporte, comme tout autre, ses risques d'erreur pour l'homme qui l'exerce, mais le plaisir de tenter l'impossible en fait de saut d'obstacle étant trop gros pour... Mais le plaisir de tenter l'impossible en fait de saut d'obstacle était trop grand pour regretter une épaule démise ou une côte rompue. Mon cheval remplaçait les 1000 notions approchées du titre, de la fonction, du nom qui complique l'amitié humaine par la seule connaissance de mon juste poids d'homme. Il était de moitié dans mes élans. Il savait exactement, et mieux que moi peut-être, le point où ma volonté divorçait avec ma force. Mais je n'inflige plus au successeur de Boristan le fardeau d'un malade aux muscles amollis, trop faible pour se hisser de soi-même sur le dos d'une monture. Mon aide-de-camp, Célère, l'exerce en ce moment sur la route de Préneste. Toutes mes expériences passées avec la vitesse me permettent de partager le plaisir du cavalier et celui de la bête, d'évaluer les sensations de l'homme, lancé à fond de train par un jour de soleil et de vent. Quand Célère saute de cheval, je reprends avec lui contact avec le sol. Il en va de même de la nage. J'y ai renoncé, mais je participe encore aux délices du nageur caressé par l'eau. Courir, même sur le plus bref des parcours, me serait aujourd'hui aussi impossible qu'à une lourde statue, un César de pierre. Mais je me souviens de mes courses d'enfant sur les collines sèches de l'Espagne, du jeu joué avec soi-même où l'on va jusqu'aux limites de l'essoufflement, sur que le cœur parfait, les poumons intacts rétabliront l'équilibre. Et j'ai du moindre athlète s'entraînant à la course au long stade, une entente que l'intelligence seule ne me donnerait pas. Ainsi, de chaque art, pratiqué en son temps, je tire une connaissance qui me dédommage en partie des plaisirs perdus. J'ai cru, et dans mes bons moments je crois encore, qu'il serait possible de partager de la sorte l'existence de tous, et cette sympathie serait l'une des espèces les moins révocables de l'immortalité.
Il y eut des moments où cette compréhension s'efforça de dépasser l'humain, alla du nageur à la vague. Mais là, rien d'exact ne me renseignant plus, j'entre dans le domaine des métamorphoses du songe. Ça reste quand même compliqué à l'écoute, j'espère que vous suivez. C'est très sensible, dans le sens où le personnage se perd dans ses rêveries, dans ses souvenirs, avec mélancolie, ce qui fait que ça se ressent aussi sur la prose, avec des phrases très longues, sans forcément de ponctuation, un déroulement, voilà, sans fin de pensée, de pensée, de pensée, qui peuvent rappeler ici un peu Proust, si vous voyez un peu le type de phrase qu'il a. Donc c'est difficile pour moi la respiration, et j'espère que vous arrivez à le suivre. Mais on sent vraiment que, bah, ça, après ça rentre avec le titre, ce sont des mémoires, donc ça va vraiment être voilà, un long parcours omniscient. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai fait peut-être une erreur. Je pensais que le carnet de notes des mémoires d'Adrien était un accompagnement, peut-être une postface, mais soit c'est des notes de Yourcenar elle-même, soit c'est une continuité du livre, apparemment. On va voir ça un peu plus tard. Trop manger est un vice romain, mais je fus sobre avec volupté. Hermogène n'a rien eu à modifier à mon régime, si ce n'est peut-être cette impatience qui me faisait dévorer n'importe où, à n'importe quelle heure, le premier m'est venu, comme pour en finir d'un seul coup avec les exigences de ma faim. Et il va de soi qu'un homme riche, qui n'a jamais connu que le dénuement volontaire, ou n'en a fait l'expérience qu'à titre provisoire, comme de l'un des incidents plus ou moins excitants de la guerre et du voyage, aurait mauvaise grâce à se vanter de ne pas se gorger. S'empiffrer à certains jours de fête a toujours été l'ambition, la joie et l'orgueil naturel des pauvres. J'aimais l'arôme de viande rôtie et le bruit de marmites raclées, des réjouissances de l'armée, et que les banquets du camp fussent ce qu'ils devraient toujours être, un joyeux et grossier contrepoids aux privations des jours ouvrables. Je tolérais assez bien l'odeur des fritures, des places publiques en temps de saturnale. Mais les festins de Rome m'emplissaient de tant de répugnance et d'ennui que si j'ai quelquefois cru mourir au cours d'une exploration ou d'une expédition militaire, je me suis dit, pour me réconforter, qu'au moins je ne dînerai plus. Ne me faites pas l'injure de me prendre pour un vulgaire renonciateur. Une opération qui a lieu dans 2 ou 3 fois par jour et dont le but est d'alimenter la vie mérite assurément tous nos soins. Manger un fruit, c'est faire entrer en soi un bel objet vivant, étranger, nourri et favorisé comme nous par la terre. C'est consommer un sacrifice où nous nous préférons aux choses. Je n'ai jamais mordu dans la miche de pain des casernes sans m'émerveiller que cette concoction lourde et grossière sut se changer en un sang, en chaleur et peut-être en courage. Pourquoi mon esprit dans ses meilleurs jours ne possède-t-il jamais qu'une partie des pouvoirs assimilateurs d'un corps? Ok, cette dernière phrase j'aimerais l'expliquer un peu parce que je me dis que c'est bien de revenir sur des métaphores un peu compliquées. Enfin, métaphores, tout est relatif. Le personnage, en fait, est content. En fait, se remémore les choses, est dans une, voilà, une remémoration, quelque chose de très omniscient, de sensible. Mais même si son cerveau, ses réflexions, donc son intelligence, participent du coup à le reconstruire, à le créer, à le rendre palpable, il regrette sans cesse son corps qui se détériore, la mort à venir. Et donc, d'un côté aussi, là, dans cette phrase, il se flatte de ses propres réflexions. Ah, pourquoi mon esprit, dans ses meilleurs jours, ne possède-t-il jamais qu'une partie des pouvoirs, blablabla. Mais tout en, en atténuant, en fait, cette qualité pour revenir à son problème, donc son corps faiblit. C'est une figure de style dont j'ai complètement oublié le nom, mais bon, vous chercherez. C'est plus de mon âge. Continuons sur les repas. C'est à Rome, durant les longs repas officiels, qu'il m'est arrivé de penser aux origines relativement récentes de notre luxe. À ce peuple de fermiers économes et de soldats frugaux, repus d'ail et d'orge, subitement vautrés par la conquête dans les cuisines de l'Asie, engloutissant ces nourritures compliquées avec une rusticité de paysans pris de fringales.
Nos Romains s'étouffent d'ortolans, s'inondent de sauces et s'empoisonnent d'épices. Un Apicius s'enorgueillit de la succession des services, de cette série de plats aigres ou doux, lourds ou subtils, qui composent la belle ordonnance de ses banquets. Passe encore si chacun de ces mets était servi à part, assimilé à un jeûne, doctement dégusté par un gourmet aux papilles intactes. Présentés pêle-mêle, au sein d'une profusion banale et journalière, ils forment dans le palais et dans l'estomac de l'homme, qui mange une confusion détestable où les odeurs, les saveurs, les substances perdent de leur valeur propre et leur ravissante identité. Ce pauvre Lucius s'amusait jadis à me confectionner des plats rares. Ces pâtés de faisan, avec leurs savants dosages de jambon et d'épices, témoignaient d'un art aussi exact que celui du musicien ou du peintre. Je regrettais pourtant la chair nette du bel oiseau. La Grèce s'y entendait mieux, son vin résiné, son pain clouté de sésame. Ses poissons retournaient sur le gril au bord de la mer, noircis inégalement par le feu et assaisonnés ça et là du craquement d'un grain de sable, contentaient purement l'appétit sans entourer de trop de complications la plus simple de nos joies. J'ai goûté, dans telle bouche d'égine ou de phalère, à des nourritures si fraîches qu'elles demeuraient divinement propres. En dépit des doigts sales du garçon de taverne, si modique, mais si suffisante, qu'elle semblait contenir sous la forme la plus résumée possible quelques essences d'immortalité. Il y a la viande cuite au soir des chasses, avait-elle aussi cette qualité presque sacramentelle, nous ramener plus loin aux origines sauvages des races. Le vin nous initiait au mystère volcanique du sol, aux richesses minérales cachées. Une coupe de sa mousse bute à midi, en plein soleil, ou au contraire absorbée par un soir d'hiver dans un état de fatigue qui permet de sentir immédiatement au creux du diaphragme, son écoulement chaud, sa sûre et brûlante dispersion le long de nos artères, est une sensation presque sacrée. Parfois, trop forte pour une tête humaine. Je ne la retrouve plus si pure sortant des celliers numérotés de Rome, et le pédantisme des grands connaisseurs de crus m'impatiente. Plus pieusement encore, l'eau bue dans la paume ou à même la source fait couler en nous le sel, le plus secret de la terre et la pluie du ciel. Mais l'eau elle-même est un délice dont le malade que je suis doit à présent n'user qu'avec sobriété. N'importe, même à l'agonie et mêlée à l'amertume des dernières potions, je m'efforcerai de goûter sa fraîche insipidité sur mes lèvres. Je voulais vous dire aussi d'ailleurs que si jamais il y en a qui ont du mal à lire, à écouter juste seul, je suis aux éditions Folio, c'est la page 18 donc de la première partie, Animula Vagula Blandula. Vous pouvez donc télécharger le PDF et y avoir accès pour accompagner la lecture. Toujours en parallèle de cette réflexion sur la mort, il y a tout un déroulé sur le pouvoir, les conquêtes. À la fois par cette idée, donc cette mise en opposition de Rome et de la Grèce, tout le vocabulaire lié à la guerre, les références, les souvenirs, les réminiscences de l'armée, tout ça donc s'associe à la mort. Également l'idée que la mort elle est associée aux conquêtes, à la domination, comme il l'a vu précédemment avec la chasse. Et après, autour de ces deux thèmes, il va mêler des choses plus triviales, manger, courir, faire du sport, etc. Donc c'est toute une définition de la vie à cette époque, et comment lui jugeait sa vie à l'époque où il avait toutes ses facultés d'entendement et ses facultés physiques. J'ai expérimenté brièvement avec l'abstinence de viande aux écoles de philosophie, où il sied d'essayer une fois pour toutes chaque méthode de conduite. Plus tard, en Asie, j'ai vu des gymnosophistes indiens détourner la tête des agneaux fumants et des quartiers de gazelles servis sous la tente d'oseresse. Mais cette pratique, à laquelle ta jeune austérité, trouve du charme, demande des soins plus compliqués que ceux de la gourmandise elle-même. Elle nous sépare trop du commun des hommes dans une fonction presque toujours publique et à laquelle préside le plus souvent l'apparat ou l'amitié. Petite critique au VG. Je me sens vraiment vexée.
J'aime mieux me nourrir toute ma vie d'oie grasse et de pintade que de me faire accuser par mes convives à chaque repas d'une ostentation d'ascétisme. Déjà, ai-je eu quelque peine, à l'aide de fruits secs ou du contenu d'un verre lentement dégusté, à déguiser à mes invités que les pièces montées de mes chefs étaient pour eux plutôt que pour moi, ou que ma curiosité pour ces mets finissait avant la leur. Un prince manque ici de la latitude offerte aux philosophes. Il ne peut se permettre de différer sur trop de points à la fois, et les dieux savent que mes points de différence n'étaient déjà que trop nombreux, bien que je me flattasse que beaucoup fussent invisibles. Quant au scrupule religieux du gymnosophiste, à son dégoût en présence des chairs ensanglantées, j'en serais plus touchée s'il ne m'arrivait de me demander en quoi la souffrance de l'herbe qu'on coupe diffère essentiellement de celle des moutons qu'on égorge. Et si notre horreur devant les bêtes assassinées ne tient pas surtout à ce que notre sensibilité appartient au même règne. Mais, à certains moments de la vie, dans les périodes de jeûne rituel par exemple, ou au cours des initiations religieuses, j'ai connu les avantages pour l'esprit, et aussi les dangers des différentes formes de l'abstinence, ou même de l'inanition volontaire. De ces états proches du vertige, où le corps en partie délesté entre dans un monde pour lequel il n'est pas fait, et qui préfigure les froides légèretés de la mort. À d'autres moments, ces expériences m'ont permis de jouer avec l'idée du suicide progressif, du trépas par inanition qui fut celui de certains philosophes, espèce de débauche retournée où l'on va jusqu'à l'épuisement de la substance humaine. Mais il m'eut toujours déplu d'adhérer totalement à un système, et je n'aurais pas voulu qu'un scrupule m'enlevât le droit de me gaver de charcuterie si par hasard j'en avais envie ou si cette nourriture était la seule facile. Il reste 5 pages avant la fin du chapitre. Les cyniques et les moralistes s'accordent pour mettre les voluptés de l'amour parmi les jouissances dites grossières, entre le plaisir de boire et celui de manger, tout en les déclarant d'ailleurs, puisqu'ils assurent qu'on s'en peut passer, moins indispensables que cela. Je viens de me rendre compte que le personnage, en fait, n'énumère pas juste les choses triviales qui ponctuent sa vie, mais tous ses plaisirs et désirs. Donc chasser, conquérir, marcher, courir, manger. C'est des besoins triviaux, mais le fait que là il parle de l'amour, des voluptés du corps, montre qu'en fait il fait une énumération de ses désirs. Donc ça crée vraiment un espèce d'antagonisme entre la mort et l'amour, la mort et la vie, la mort et le plaisir, etc. Tout ce que je dis c'est que des hypothèses de lecture, hein, parce que j'ai pas du tout analysé le texte. Prenez pas pour acquis tout ce que je déblatère, et n'hésitez pas à débattre si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Du moraliste, je m'attends à tout, mais je m'étonne que le cynique s'y trompe. Mettons que les uns et les autres aient peur de leurs démons, soit qu'ils leur résistent, soit qu'ils s'y abandonnent, et s'efforcent de ravaler leur plaisir pour essayer de lui enlever sa puissance presque terrible, sous laquelle il succombe, et son étrange mystère, où ils se sentent perdus. Je croirais à cette assimilation de l'amour aux joies purement physiques, le jour où j'aurais vu un gourmet sangloter de délices devant son mets favori, comme un amant sur une jeune épaule. De tous nos jeux, c'est le seul qui risque de bouleverser l'âme. Le seul aussi où le joueur s'abandonne nécessairement au délire du corps. Il n'a pas vu le mec sur YouTube qui a pleuré parce qu'il a fait un gâteau yaourt. Peut-être qu'il remettra en question cette hypothèse. Il n'est pas indispensable que le buveur abdique sa raison, mais l'amant qui garde la sienne n'obéit pas jusqu'au bout à son deuil, à son dieu, pardon. L'abstinence ou l'excès n'engage partout ailleurs que l'homme seul, sauf dans le cas de Diogène, dont les limitations et le caractère déraisonnable pitalé se marquent d'eux-mêmes, toute démarche sensuelle nous place en présence de l'autre, nous implique dans les exigences et les servitudes du choix. Je n'en connais pas où l'homme se résolve pour des raisons plus humbles et plus inéluctables, où l'objet choisi se pèse plus exactement à son poids brut de délices, où l'amateur de vérité ait plus de chances de juger la créature nue. À partir d'un dépouillement qui s'égale à celui de la mort, d'une humilité qui passe celle de la défaite et de la prière,
Je m'émerveille de voir chaque fois se reformer la complexité des refus, des responsabilités, des apports. Les pauvres aveux, les fragiles mensonges, les compromis passionnés entre mes plaisirs et ceux de l'autre. Tant de liens impossibles à rompre et pourtant déliés si vite. Ce jeu mystérieux, qui va de l'amour d'un corps à l'amour d'une personne, m'a semblé assez beau pour lui consacrer une part de ma vie. Les mots trompent, puisque celui de plaisir couvre des réalités contradictoires, comporte à la fois les notions de tiédeur, de douceur, d'intimité des corps, et celles de violence, d'agonie et de cri. La petite phrase obscène de Poséidonius sur le frottement des deux parcelles de chair que je t'ai vu copier avec une application d'enfant sage dans tes cahiers d'école ne définit pas plus le phénomène de l'amour que la corde touchée du doigt ne rend compte du miracle des sons. C'est moins la volupté qu'elle insulte que la chair elle-même. Cet instrument de muscles de sang et d'épiderme, ce rouge nuage dont l'âme est l'éclair. J'adore comment elle écrit. Et j'avoue que la raison reste confondue en présence du prodige même de l'amour, de l'étrange obsession qui fait que cette même chair dont nous nous soucions si peu quand elle compose notre propre corps, nous inquiétant seulement de la laver, de la nourrir, et s'il se peut, de l'empêcher de souffrir, puisque puisse nous inspirer une telle passion de caresse, simplement parce qu'elle est animée par une individualité différente de la nôtre, et parce qu'elle présente certains linéaments de beauté, sur lesquels d'ailleurs les meilleurs juges ne s'accordent pas. Ici, la logique humaine reste en deçà comme dans les révélations des mystères. La tradition populaire ne s'y est pas trompée. Qui a toujours vu dans l'amour une forme d'initiation, l'un des points de rencontre du secret et du sacré? Une belle assonance en S. L'expérience sensuelle se compare encore au mystère en ce que la première approche faite aux non-initiés, l'effet d'un rite plus ou moins effrayant, scandaleusement éloigné des fonctions familières, du sommeil, du boire et du manger, objet de plaisanterie, de honte ou de terreur. Tout autant que les danses des ménades ou les délires des corybantes, notre amour nous entraîne dans un univers différent, où il nous est, en d'autres temps, interdit d'accéder, et où nous cessons de nous orienter dès que l'ardeur s'éteint ou que la jouissance se dénoue. J'ai vu aucun abonnement, je suis désolée, mais je vois que mon truc fonctionne toujours pas. Ça fait comme 3 fois que j'essaie de réinitialiser mon setup pour que ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas. Je suis deg. Pourtant, il est bien affiché et tout. Bon, je suis deg. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Je suis désolée, mais en tout cas, merci à ton abonnement OS, etc. qui a fait je sais pas combien d'abonnements pour que je le voie. Je suis navrée. Bah, je t'encourage à le prendre parce que franchement, pour l'instant, c'est un sans faute pour moi. C'est très philosophique par contre. Peut-être qu'avec le roman à l'appui, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Je sais pas, je me rends pas compte forcément de la difficulté d'entendement. Et parce que je me rends pas forcément compte aussi de ma qualité de lecture. Mais franchement, j'adore. C'est trop agréable à lire. Où en étais-je ? L'expérience sensuelle se compare encore au mystère en ce que la première approche faite aux non-initiés, l'effet d'un rite plus ou moins effrayant, scandaleusement éloigné des fonctions familières du sommeil, du boire et du manger, objet de plaisanterie, de honte ou de terreur. Tout autant que la danse des ménades ou le délire des corybantes, notre amour nous entraîne dans un univers différent, où il nous est, en d'autres temps, interdit d'accéder et où nous cessons de nous orienter dès que l'ardeur s'éteint ou que la jouissance se dénoue. Cloué au corps aimé comme un crucifié à sa croix, j'ai appris sur la vie quelques secrets qui déjà s'émoussent dans mon souvenir par l'effet de la même loi qui veut que le convalescent, guéri, cesse de se retrouver dans les vérités mystérieuses de son mal, que le prisonnier relâché oublie la torture ou la triomphante dégrise de la ou la triomphateur ou le triomphateur dégrisé de la gloire. Et j'ai rêvé parfois d'élaborer un système de connaissances humaines basé sur l'érotique. Une théorie du contact, où le mystère et la dignité d'autrui consisteraient précisément à offrir au moi ce point d'appui d'un autre monde.
Bonsoir, Ninka. T'arrives encore au début. C'est juste un homme pour l'instant qui pense à sa vie. La volupté serait, dans cette philosophie, une forme plus complète, mais aussi plus spécialisée de cette approche de l'autre. Une technique de plus mise au service de la connaissance de ce qui n'est pas nous. Dans les rencontres les moins sensuelles, c'est encore dans le contact que l'émotion s'achève ou prend naissance. La main, un peu répugnante, de cette vieille qui me présente un placet, le front moite de mon père à l'agonie, la plaie lavée d'un blessé. Même les rapports les plus intellectuels ou les plus neutres ont lieu à travers ce système de signaux du corps. Le regard soudain éclairci du tribun, auquel on explique une manœuvre au matin d'une bataille. Le salut impersonnel d'un subalterne que notre passage fige en une attitude d'obéissance. Le coup d'œil amical de l'esclave que je remercie parce qu'il m'apporte un plateau, ou devant le camé grec qu'on lui offre, la moue appréciatrice d'un vieil ami. Avec la plupart des êtres, les plus légers, les plus superficiels de ces contacts suffisent à notre envie, ou même l'excèdent déjà. Qu'ils insistent, se multiplient autour d'une créature unique jusqu'à la cerner tout entière, que chaque parcelle d'un corps se charge pour nous d'autant de significations bouleversantes que les traits d'un visage, qu'un seul être, au lieu de nous inspirer tout au plus de l'irritation, du plaisir ou de l'ennui, nous hante comme une musique et nous tourmente comme un problème, qu'il passe de la périphérie de notre univers à son centre, nous devienne enfin plus indispensable que nous-mêmes, et l'étonnant prodige a lieu où je vois bien davantage un envahissement de la chair par l'esprit qu'un simple jeu de la chair. Qui va dominer qui ? J'ai l'impression que toute la construction du texte est basée sur les oppositions. Parce que même là encore, dans sa réflexion philosophique sur l'amour, il oppose l'esprit au corps avec l'idée qu'il y a un va-et-vient sans cesse entre les deux. Et que... Oh. Et que... Du coup, je me suis perdue avec toutes mes affaires de boisson. Et qu'il y a forcément une domination de l'un sur l'autre. Ou pas forcément une domination, mais plus un va-et-vient, un chemin, un échange. De telles vues sur l'amour pourrait mener à une carrière de séducteur. Si je ne l'ai pas remplie, c'est sans doute que j'ai fait autre chose, sinon mieux. À défaut de génie, une pareille carrière demande des soins, et même des stratagèmes pour lesquels je me sentais peu fait. Ces pièges, dressés, toujours les mêmes, cette routine bornée à de perpétuelles approches, limitée par la conquête même, m'ont lassé. La technique du grand séducteur exige dans le passage d'un objet à un autre une facilité, une indifférence que je n'ai pas à l'égard d'eux. De toute façon, ils m'ont quitté plus que je ne les quittais. Je n'ai jamais compris qu'on se rassasia d'un être. L'envie de dénombrer exactement les richesses que chaque nouvel amour nous apporte, de le regarder changer, peut-être de le regarder vieillir, s'accorde mal avec la multiplicité des conquêtes. J'ai cru jadis qu'un certain goût de la beauté me tiendrait lieu de vertu, saurait m'immuniser contre les sollicitations trop grossières. Mais je me trompais. L'amateur de beauté finit par la retrouver partout, filon d'or dans les plus ignobles veines. Par éprouver, à manier ses chefs-d'œuvre fragmentaires, salis ou brisés, un plaisir de connaisseur, seul à collectionner des poteries crues, vulgaires. Un obstacle plus sérieux pour un homme de goût est une position d'éminence dans les affaires humaines, avec ce que la puissance presque absolue comporte de risques d'adulation ou de mensonge.
L'idée qu'un être aussi peu que ce soit se contrefait en ma présence est capable de me le faire plaindre, mépriser ou haïr. J'ai souffert de ses inconvénients, de ma fortune comme un homme pauvre de ceux de sa misère. Un pas de plus, et j'aurais accepté la fiction qui consiste à prétendre qu'on séduit quand on sait qu'on s'impose. Mais l'écœurement ou la sottise peut-être risque de commencer là. On finirait par préférer aux stratagèmes éventés de la séduction les vérités toutes simples de la débauche, si là aussi ne régnait le mensonge. En principe, je suis prêt à admettre que la prostitution soit un art comme le massage ou la coiffure, mais j'ai déjà peine à me plaire chez les barbiers et les masseurs. Rien de plus grossier que nos complices. Le coup d'œil oblique du patron de taverne qui me réserve le meilleur vin, et par conséquent en prive quelqu'un d'autre, suffisait déjà au jour de ma jeunesse à me dégoûter des amusements de Rome. Il me déplaît qu'une créature croie pouvoir escompter mon désir, le prévoir, mécaniquement, s'adapter à ce qu'elle suppose mon choix. Ce reflet imbécile et déformé de moi-même que m'offre à ces moments une cervelle humaine me ferait préférer les tristes effets de l'ascétisme. Si la légende n'exagère rien, des outrances de Néron, des recherches savantes de Tibère, il a fallu à ces grands consommateurs de délices des sens bien inertes pour se mettre en frais d'un appareil si compliqué et un singulier dédain des hommes pour souffrir ainsi qu'on se moquât ou qu'on profitât d'eux. Et cependant, si j'ai à peu près renoncé à ces formes par trop machinal de plaisir, ou ne m'y suis pas enfoncé trop avant, je le dois plutôt à ma chance qu'à une vertu incapable de résister à rien. J'y pourrais retomber en vieillissant, comme dans n'importe quelle espèce de confusion ou de fatigue. La maladie et la mort, relativement prochaines, me sauveront de la répétition monotone des mêmes gestes, pareil à l'annonnement d'une leçon trop sue par cœur. De tous les bonheurs qui lentement m'abandonnent, le sommeil est l'un des plus précieux, des plus communs aussi. On est copains, mon frère. Un homme qui dort peu et mal, appuyé sur de nombreux coussins, médite tout à loisir sur cette particulière volupté. J'accorde que le sommeil le plus parfait reste presque nécessairement une annexe de l'amour. Repos réfléchi, reflété dans deux corps. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le mystère spécifique du sommeil goûté pour lui-même, l'inévitable plongée hasardée chaque soir par l'homme, nu, seul et désarmé, dans un océan où tout change. Les couleurs, les densités, le rythme même du souffle et où nous rencontrons les morts. Ce qui nous rassure du sommeil, c'est qu'on en sort, et qu'on en sort inchangé, puisqu'une interdiction bizarre nous empêche de rapporter avec nous l'exact résidu de nos songes. Ce qui nous rassure aussi, c'est qu'il guérit de la fatigue, mais il nous en guérit temporairement, par le plus radical des procédés, en s'arrangeant pour que nous ne soyons plus. Là, comme ailleurs, le plaisir et l'art consistent à s'abandonner, consciemment, à cette bienheureuse inconscience, à accepter d'être subtilement plus faible, plus lourd, plus léger et plus confus que soi. Je reviendrai plus tard sur le peuple étonnant des songes. Je préfère parler de certaines expériences de sommeil pur, de pur réveil, qui confinent à la mort et à la résurrection. Je tâche de ressaisir la précise sensation de tel sommeil foudroyant, de l'adolescence où l'on s'endormait sur les livres, tout habillé, transporté d'un seul corps hors de la mathématique et du droit, à l'intérieur d'un sommeil solide et plein, si rempli d'énergie, inemployé qu'on y goûtait, pour ainsi dire, le pur sens de l'être à travers les paupières fermées. J'évoque les brusques sommeils sur la terre nue dans la forêt, après de fatigantes journées de chasse, l'aboi des chiens m'éveillait ou leurs pattes dressées sur ma poitrine. Si totale était l'éclipse, j'aurais pu chaque fois me retrouver autre. Et je m'étonnais, ou parfois m'attristais, du strict agencement qui me ramenait de si loin dans cet étroit canton d'humanité qu'est moi-même. Qu'étaient ces particularités auxquelles nous tenons le plus, puisqu'elles comptaient si peu pour le libre dormeur, et que pour une seconde, avant de rentrer à regret dans la peau d'Adrien, je parvenais à savourer à peu près consciemment cet homme vide, cette existence sans passé. D'autre part, la maladie, l'âge aussi, ont leur prodige et reçoivent du sommeil d'autres formes de bénédiction.
Il y a environ un an, après une journée singulièrement accablante, à Rome, j'ai connu un de ces répits où l'épuisement des forces opérait les mêmes miracles, ou plutôt, d'autres miracles que les réserves inépuisées d'autrefois. Je ne vais plus que rarement en ville. Je tâche d'y accomplir le plus possible. La journée avait été désagréablement encombrée. Une séance au Sénat avait été suivie par une séance au tribunal, par une discussion interminable avec l'un des questeurs, puis par une cérémonie religieuse qu'on ne peut abréger et sur laquelle la pluie tombait. J'avais moi-même rapproché, collé ensemble toutes ces activités différentes pour laisser le moins de temps possible entre elles aux importunités et aux flatteries inutiles. Le retour à cheval fut l'un de mes derniers trajets de ce genre. Je rentrais à la villa écœurée, malade, ayant froid comme on a froid que lorsque le sang se refuse et n'agit plus dans nos artères. Célère et Chabrias s'empressaient, mais la sollicitude peut être fatigante alors même qu'elle est sincère. Retirée chez moi, j'avalais quelques cuillerées d'une bouillie chaude que je préparais moi-même, nullement par soupçon comme on se le figure, mais parce que je m'octroie ainsi le luxe d'être seule. Je me couchais, le sommeil semblait aussi loin de moi que la santé, que la jeunesse, que la force. Je m'endormis. Le sablier m'a prouvé que je n'avais dormi qu'une heure à peine. Un court moment d'assoupissement complet, à mon âge, devient l'équivalent des sommeils qui duraient autrefois toute une demi-révolution des astres. Mon temps se mesure désormais en unités beaucoup plus petites. Mais une heure avait suffi pour accomplir l'humble et surprenant prodige. La chaleur de mon sang réchauffait mes mains, mon cœur, mes poumons s'étaient remis à opérer avec une espèce de bonne volonté. La vie coulait comme une source, pas très abondante, mais fidèle. Le sommeil en si peu de temps avait réparé mes excès de vertu avec la même impartialité qu'il eût mise à réparer ceux de mes vices. Car la divinité du grand restaurateur tient à ce que ses bienfaits s'exercent sur le dormeur sans tenir compte de lui, de même que l'eau chargée de pouvoirs curatifs ne s'inquiète en rien de qui boit à la source. Je suis étonnée qu'elle fasse une référence à Dieu. Je pensais que Yourcenar était athée, mais après peut-être que c'est juste une référence au corps. Mais si nous pensons si peu à un phénomène qui absorbe au moins un tiers de toute vie, c'est qu'une certaine modestie est nécessaire pour apprécier ses bontés. Endormi, Caius, Caligula et le juste Aristide se valent. Je dépose mes vains et importants privilèges. Je ne me distingue plus du noir janiteur qui dort en travers de mon seuil. Qu'est notre insomnie, sinon l'obstination maniaque de notre intelligence à manufacturer des pensées, des suites de raisonnements, des syllogismes et des définitions bien à elle, son refus d'abdiquer en faveur de la divine stupidité des yeux clos ou de la sage folie des songes. L'homme qui ne dort pas, et je n'ai depuis quelques mois que trop d'occasion de le constater sur moi-même, se refuse, plus ou moins consciemment, à faire confiance au flot des choses. Frère de la mort. Isocrate se trompait, et sa phrase n'est qu'une amplification de rhéteur. Je commence à connaître la mort. Elle est à d'autres secrets plus étrangers encore à notre présente condition d'homme. Et pourtant, si enchevêtrés, et si profonds sont ces mystères d'absence et de partiels oublis, que nous sentons bien confluer quelque part la source blanche, la source ombre. Je n'ai jamais regretté volontiers de dormir. Pardon, j'ai complètement manipulé la phrase. Je n'ai jamais regardé volontiers dormir ce que j'aimais. Il se reposait de moi, je le sais. Il m'échappait aussi. Et chaque homme a honte de son visage entaché de sommeil. Que de fois, levé de très bonne heure pour étudier ou pour lire, j'ai moi-même rétabli ses oreillers fripés, ses couvertures en désordre, évidence presque obscène de nos rencontres avec le néant, preuve que chaque nuit, nous ne sommes déjà plus. S'il y a des gens qui étudient réellement cette œuvre, je vous conseille vraiment de... Merci pour le partage, le bruit des étoiles. Je vous conseille vraiment de le lire deux fois, ou trois fois. Parce que, bon, là je fais une lecture à voix haute, donc c'est plus difficile pour moi d'avoir des réflexions, des réminiscences. Mais il y a énormément de choses à étudier dans ce texte.
C'est très 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 riche. Chaque phrase est ponctuée d'un sous-entendu, d'une réflexion à l'arrière. Et je pense même que ça serait peut-être plus intelligent encore de commencer par apprendre les axes, lire une préface, lire les notes avant de commencer le texte, pour pouvoir être attentif à chaque petite référence qui pourrait vous rapprocher des différents axes de lecture et pouvoir les caser dans ces boîtes-là. En fait, vous allez vous faire une petite trousse de travail. Vous allez considérer, de façon, vous allez étudier au fur et à mesure de votre apprentissage, qu'il va y avoir plein de petits axes phares et donc des thématiques qui vont être récurrentes dans le texte. Et à chaque fois que vous allez voir un exemple, que ça soit par le biais de votre intuition, par un temps, une conjugaison, par une métaphore, par l'utilisation d'une expression qui va vous titiller, vous allez mettre ces petits exemples dans ces boîtes, dans ces différentes boîtes. Et ces différents exemples, au fur et à mesure, vous allez les tisser. Vous allez vous dire, bon, j'ai trouvé cet exemple, il correspond à cette thématique. Qu'est-ce que je peux en déduire? Comment je pourrais le pousser plus loin? Cette intuition, comment je pourrais la développer? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir un peu broder vos examens, etc. Et ici, c'est truffé de ça. C'est vraiment, c'est hyper dense, donc vous avez beaucoup de choses à voir. Donc je vous conseille vraiment de le lire deux fois, au moins. C'est malade, non? C'est Marguerite Yourcenar, hein. Après, elle dit, à un moment donné, il fait une petite référence à Isocrate. Je sais pas si, comme il n'y a pas de guillemets, etc., pour moi, c'est vraiment une référence d'Isocrate. Mais ouais, je t'encourage vraiment à lire Nankia, il est super ce texte. On en est à la fin de la lettre. Donc à la page 28. Donc déjà je me rends compte que les carnets de notes, parce que là j'en lis un passage en diagonale, c'est des réflexions de recherche, des pistes de recherche de l'auteur. Hyper intéressant à lire. Sachez que toute l'étude des brouillons, des carnets, c'est un sujet dont sont friands les examinateurs depuis moult années. Donc vous n'aurez pas de... Il y a forte chance que vous pouviez tomber sur ça. Donc il y a 316 pages. Coucou, comment tu vas, Gilgamesh? Je pensais pas te voir ici ce soir. On va attaquer deuxième chapitre de la première partie. La première chapitre était une lettre, donc je pense que tu arriveras quand même à suivre. Si tu passes vraiment ce soir ou si tu veux juste un petit coucou, je sais pas. Donc, entamons la deuxième partie. Ouais, sirop d'orgeat. Mais juste avant, j'ai t'as raté, j'ai fait une petite dégustation de Perrier Energize. Peu à peu, cette lettre commencée pour t'informer des progrès de mon mal est devenue le délassement d'un homme qui n'a plus l'énergie nécessaire pour s'appliquer longuement aux affaires d'État. La méditation écrite d'un malade qui donne audience à ses souvenirs. Je me propose maintenant davantage. J'ai formé le projet de te raconter ma vie. À coup sûr, j'ai composé l'an dernier un compte-rendu officiel de mes actes, en tête duquel mon secrétaire Fléjon a mis son nom. J'y ai menti le moins possible. L'intérêt public et la décence m'ont forcé néanmoins à réarranger certains faits. La vérité que j'entends exposer ici n'est pas particulièrement scandaleuse, ne l'est qu'au degré où toute vérité fait scandale. Je ne m'attends pas à ce que tes 17 ans y comprennent quelque chose. Je tiens pourtant à t'instruire, à te choquer aussi. Tes précepteurs, que j'ai choisis moi-même, t'ont donné cette éducation sévère, surveillée, trop protégée peut-être, dont j'espère somme toute un grand bien pour toi-même et pour l'État.
Je t'offre ici comme correctif un récit dépourvu d'idées préconçues, de principes abstraits, tiré de l'expérience d'un seul homme, qui est moi-même. Ça fait très humanisme. J'ignore à quelle conclusion ce récit m'entraînera. Je compte sur cet examen des faits pour me définir, me juger, peut-être tout au moins pour mieux me connaître avant de mourir. Comme tout le monde, je n'ai à mon service que trois moyens d'évaluer l'existence humaine. L'étude de soi, la plus difficile et la plus dangereuse, mais aussi la plus féconde des méthodes. L'observation des hommes, qui s'arrangent le plus souvent pour nous cacher leurs secrets ou pour nous faire croire qu'ils en ont. Les livres, avec les erreurs particulières de perspective qui naissent entre les lignes. Et j'ai lu à peu près tout ce que nos historiens, nos poètes et même nos conteurs ont écrit, bien que ces derniers soient réputés frivoles, et je leur dois peut-être plus d'informations que je n'en ai recueillies dans les situations assez variées de ma propre vie. La lettre écrite m'a enseigné à écouter la voix humaine, tout comme les grandes attitudes immobiles des statues m'ont appris à apprécier les gestes. Par contre, et dans la suite, la vie m'a éclairci les livres. Mais ceux-ci mentent, et même les plus sincères. Les moins habiles, faute de mots et de phrases où ils la pourraient enfermer, retiennent de la vie une image plate et pauvre, telle comme Lucin a l'air lourdisse et l'encombre d'une solennité qu'elle n'a pas. D'autres, au contraire, comme Pétrone, l'allègent, font d'elle une balle bondissante et creuse, facile à recevoir et à lancer dans un univers sans poids. Les poètes nous transportent dans un monde plus vaste ou plus beau, plus ardent ou plus doux que celui qui nous est donné, différent par la même et en pratique presque inhabitable. Les philosophes font subir à la réalité, pour pouvoir l'étudier pure, à peu près les mêmes transformations que le feu ou le pilon font subir au corps. Rien d'un être ou d'un fait, tel que nous l'avons connu, ne paraît subsister dans ces cristaux ou dans ces cendres. Les historiens nous proposent du passé des systèmes trop complets, des séries de causes et d'effets trop exactes et trop claires pour pouvoir jamais être entièrement vrais. Il réarrange cette docile matière morte et je sais que même à plus tard qu'échappera toujours Alexandre. Les conteurs, les auteurs de fables, milésiennes ne font guère comme des bouchers que d'apprendre à l'étal de petits morceaux de viandes appréciées des mouches. C'est dur, hein. Je m'accommoderais fort mal d'un monde sans livres, mais la réalité n'est pas là, parce qu'elle n'y tient pas tout entière. Avec ce petit extrait-là, Yourcenar, elle nous explique, elle nous dresse ses volontés, ses conditions d'écriture. Là, c'est vraiment un pacte entre elle et le lecteur, par le biais du personnage d'Adrien, qui explique lui son rapport à sa volonté d'écrire un mémoire. Elle nous explique comment elle considère la littérature, comment elle considère la notion de réalisme, et comment elle le voit comme inatteignable, et ce qu'elle cherche à proposer. Et c'est pour ça qu'elle passe par le biais d'une vie de quelqu'un d'autre, parce qu'elle cherche justement à être le plus sincère possible. Et je pense que ça va être quand même assez politique, ça reste des mémoires, donc il va y avoir forcément un contexte un peu généraliste. Mais plus que ça, c'est l'humain qu'elle cherche à attendre. Et d'ailleurs, Yourcenar, c'est quand même une auteure assez contemporaine, donc ça rentre en considération avec la mode, les courants littéraires de l'époque, les volontés de rendre concret les choses. Mais rendre concret les choses, non pas par une description trop fidèle, mais plutôt par une volonté d'extraire de notre propre vie la réalité impalpable. C'est très alambiqué ce que je viens de dire, j'espère que vous me suivez. J'ai déjà perdu trois personnes rien qu'en sortant cette phrase, je pense. L'observation directe des hommes est une méthode moins complète encore, bornée le plus souvent en constatations assez basses dont se repaît la malveillance humaine. Le rang, la position, tout nos hasards,
restreignent le champ de vision du connaisseur d'homme. Mon esclave a pour m'observer des facilités complètement différentes de celles que j'ai pour l'observer lui-même. Elles sont aussi courtes que les miennes. Le vieil amphorion me présente depuis 20 ans mon flacon d'huile et mon éponge. Ma connaissance de lui s'arrête à son service et celle qu'il a de moi à mon bain. Et toute tentative pour s'informer davantage fait vite, à l'empereur comme à l'esclave, l'effet d'une indiscrétion. Presque tout ce que nous savons d'autrui est de seconde main. Si par hasard un homme se confesse, il plaide sa cause, son apologie est toute prête. Si nous l'observons, il n'est pas seul. On m'a reproché d'aimer à lire les rapports de la police de Rome. J'y découvre sans cesse des sujets de surprise. Amis ou suspects, inconnus ou familiers, ces gens m'étonnent. Leurs folies servent d'excuses aux miennes. Je ne me lasse pas de comparer l'homme habillé à l'homme nu. Mais ces rapports si naïvement circonstanciés s'ajoutent à la pile de mes dossiers sans m'aider le moins du monde à rendre la verdict finale. Que ce magistrat d'apparence austère ait commis un crime ne me permet nullement de mieux le connaître. Je suis désormais en présence de deux phénomènes au lieu d'un, l'apparence du magistrat et son crime. Quant à l'observation de moi-même, je m'y oblige, ne fût-ce que pour entrer en composition avec cet individu auprès de qui je serai jusqu'au bout forcée de vivre. Mais une familiarité de près de 60 ans comporte encore bien des chances d'erreur. Au plus profond, ma connaissance de moi-même est obscure, intérieure, informulée, secrète comme une complicité. Au plus impersonnel, elle est aussi glacée que les théories que je puis élaborer sur les nombres. J'emploie ce que j'ai d'intelligence à voir de loin et de plus haut ma vie, qui devient alors la vie d'un autre. Mais ces deux procédés de connaissance sont difficiles et demandent l'un une descente en soi, l'autre une sortie hors de soi-même. Par inertie, je tends comme tout le monde à leur subsister des moyens de pure routine, une idée de ma vie particulièrement modifiée par l'image que le public s'en forme, des jugements tout faits, c'est-à-dire mal faits, comme un patron tout préparé auquel un tailleur maladroit adapte laborieusement l'étoffe qui est à nous. Équipement de valeur inégale, outils plus ou moins émoussés, mais je n'en ai pas d'autres. C'est avec eux que je me façonne tant bien que mal une idée de ma destinée d'homme. Quand je considère ma vie, je suis épouvantée de la trouver informe. L'existence des héros, celle qu'on nous raconte, est simple. Elle va droit au but, comme une flèche. Et la plupart des hommes aiment résumer leur vie dans une formule, parfois dans une vanterie ou dans une plainte, mais presque toujours dans une récrimination. Leur mémoire leur fabrique complaisamment une existence explicable et claire. Mais ma vie a des contours moins fermes. Comme il arrive souvent, c'est ce que je n'ai pas été, peut-être, qui l'a défini avec le plus de justesse. Bon soldat, mais point grand homme de guerre. Amateur d'art, mais point cet artiste que Néron crut être à sa mort. Capable de crime, mais point chargé de crime. Il m'est arrivé de penser que les grands hommes se caractérisent justement par leur position extrême, ou leur héroïsme, et de se tenir toute la vie. Ils sont nos pôles, nos antipodes. Et j'ai occupé toutes les positions extrêmes tour à tour, mais je ne m'y suis pas tenue. La vie m'en a toujours fait glisser. Et cependant, je ne puis pas non plus, comme un laboureur ou un portefeuille vertueux, me vanter d'une existence située au centre. Merci pour ta souscription, Cobel Pot. Désolée si ça ne s'affiche pas, j'ai un petit problème avec mon setup. Le paysage de mes jours semble se composer, comme les régions de montagne, de matériaux divers entassés pêle-mêle. J'y rencontre ma nature, déjà composite, formée en partie égale d'instinct et de culture. Ça et là affleurent les granites de l'inévitable. Partout, les éboulements du hasard. Je m'efforce de reparcourir ma vie pour y trouver un plan, y suivre une veine de plomb ou d'or, ou l'écoulement d'une rivière souterraine. Mais ce plan, tout factice, n'est qu'un trompe-l'œil du souvenir. De temps en temps, dans une rencontre, un présage, une suite définie d'événements, je crois reconnaître une fatalité. Mais trop de routes ne mènent nulle part, trop de sommes ne s'additionnent pas. Je perçois bien dans cette diversité, dans ce désordre, la présence d'une personne, mais sa forme semble presque toujours tracée par la pression des circonstances. Ses traits se brouillent comme une image reflétée sur l'eau.
Je ne suis pas de ceux qui disent que leurs actions ne leur ressemblent pas. Il faut bien qu'elles le fassent puisqu'elles sont ma seule mesure et le seul moyen de me dessiner dans la mémoire des hommes ou même dans la mienne propre, puisque c'est peut-être l'impossibilité de continuer à exprimer et à se modifier par l'action qui constitue la différence entre l'état de la mort et celui du vivant. Mais il y a entre moi et ces actes dont je suis fait un hiatus indéfinissable. Et la preuve, c'est que j'éprouve sans cesse le besoin de les peser, de les expliquer, d'en rendre compte à moi-même. Certains travaux qui durèrent peu sont assurément négligeables, mais des occupations qui s'étendirent sur toute la vie ne signifient pas davantage. Par exemple, il me semble à peine essentiel au moment où j'écris ceci d'avoir été empereur. Les trois quarts de ma vie échappent d'ailleurs à cette définition par les actes. La masse de mes velléités, de mes désirs, de mes projets même, demeure aussi nébuleuse et aussi fuyante qu'un fantôme. Le reste, la partie palpable, plus ou moins authentifiée par les faits et à peine plus distincte, est la séquence des événements aussi confuse que celle des songes. J'ai ma chronologie bien à moi, impossible à accorder avec celle qui se base sur la fondation de Rome ou avec l'être des Olympiades. 15 ans aux armées, on dirait ont duré moins qu'un matin à Athènes. Il y a des gens que j'ai fréquentés toute ma vie et que je ne reconnaîtrai pas aux enfers. Les plans de l'espace se chevauchent aussi. L'Égypte et la vallée de Tempé sont tout proches. Je ne suis pas toujours à Tibur quand j'y suis. Tantôt, ma vie m'apparaît banale au point de n'y pas vouloir d'être. Non seulement écrite, mais même un peu longuement contemplée, nullement plus importante, même à mes propres yeux, que celle du premier venu. Tantôt, elle me semble unique, et par là même sans valeur, inutile parce qu'impossible à réduire à l'expérience du commun des hommes. Rien ne m'explique. Mes vices et mes vertus n'y suffisent absolument pas. Mon bonheur le fait davantage, mais par intervalle. Sans continuité, surtout sans acceptable cause. Mais l'esprit humain répugne à s'accepter des mains du hasard, à n'être que le produit passager de chance auquel aucun dieu ne préside, surtout pas lui-même. Une partie de chaque vie, et même de chaque vie fort peu digne de regard, se passe à rechercher les raisons d'être, les points de départ, les sources. C'est mon impuissance à les découvrir qui me fit parfois pencher vers les explications magiques, chercher dans les délires de l'occulte ce que le sens commun ne me donnait pas. Quand tous les calculs compliqués s'avèrent faux, quand les philosophes eux-mêmes n'ont plus rien à nous dire, il est excusable de se tourner vers le babillage fortuit des oiseaux ou vers le lointain contrepoids des astres. Magnifique. Je vais marquer ce passage parce que je le trouve trop beau. Si j'avais été seule, je l'aurais lu deux fois. Oh, ça vous a fait fuir, vous? Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Moi, j'adore. Je sais même pas si j'ai encore des choses pour noter. Ah, si, ça doit être dans ma boîte. On arrive à la fin du deuxième chapitre de la première partie. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment ? Est-ce que vous trouvez ça compréhensible ? Est-ce que vous aimez le style ? Je sais que tu aimes beaucoup... je sais pas c'est quoi ton nom sur Twitch, Chaotic Energy. Et aussi Ninka, tu kiffes pas mal, non ? Qu'est-ce qui encore m'avait dit qu'il kiffait ? Ah, c'est toi Ninka. C'est malin, j'ai perdu ma page. Non, c'est... en fait... Alors, on arrive déjà à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie s'intitule Varius Multiplex Multiformis.
C'est vraiment dommage que j'ai pas de notion de latin. Merci beaucoup, Anne Vétresse, pour le compliment. Ça me fait plaisir que tu apprécies mon interprétation du texte. C'est ça. Je pense que ça va être un long déroulé, mais c'est assez intéressant parce que je crois que la volonté de Ursenar était que ce mémoire soit à inspiration biographique, mais je trouve qu'on y décèle beaucoup d'elle dans le texte. Et j'aime beaucoup cette période littéraire parce que je trouve que les textes sont d'une justesse qui me touche toujours. Et d'ailleurs, c'est vraiment c'est cette période contemporaine qui me plaît le plus, je pense. Plus le temps passe et plus je me fais cette idée. Et c'est vraiment une belle découverte pour l'instant pour moi. Je pense vraiment. Bon, peut-être que je me projette un peu, mais que ce récit va faire partie de mes coups de cœur de l'année, je pense. Je vais faire une toute petite pause. Je vais voir s'il y a eu des réactions sur les réseaux. C'est une affaire, hein, les réseaux. Excusez-moi, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Mais n'hésitez pas si vous êtes en train d'écouter, d'aller vous prendre un snack, une petite boisson. C'est ce que je vais faire moi. Quelle heure il est là? 22h18. Bah à 20, on va revenir continuer la lecture. Ça nous laisse 2 petites minutes. Comme la lecture va se prolonger sur toute la semaine, on va lire environ 50 pages par jour. Donc ce qui va nous faire environ, je pense encore, peut-être 2 chapitres. Voilà. Comme ça fait pas trop long pour vous, pas trop long pour moi. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la lecture.
Je vous ai ramené une copine qui m'a fait grave chier tout à l'heure. Tu veux pas dire bonjour, petite chieuse? Oui, je peux dire. Elle est mignonne, mais elle a pas du tout envie d'être là. Hein? Elle m'aime pas du tout. Figurez-vous qu'à cause d'elle, le stream a encore failli ne pas avoir lieu. Parce que juste avant que le stream commence, elle s'est mise. Enfin, en fait, je l'ai laissée sortir. Et elle, d'habitude, elle est toujours très peureuse à l'idée de sortir et tout. Ouais, un petit accessoire ASMR, fluffy. Je la laisse sortir de mon appart parce que elle s'ennuie un peu à la maison. D'habitude, elle est très peureuse à l'idée de sortir. Et là, je ne sais pas par quelle volonté, elle est devenue hystérique. Elle a commencé à faire sa castafiore dans la cage d'escalier. Je suis allée la chercher, j'ai cru qu'elle avait peur. Et en fait, elle voulait absolument rentrer chez des voisins. Je pense qu'il y avait un animal chez eux. Mais donc elle voulait pas partir. Elle s'accrochait au paillasson et tout. Il y avait un livreur Uber en plus, comme par hasard, qui arrivait juste à ce moment-là. J'essayais de la porter, elle me griffait et tout. Et c'était comme 10 minutes avant le début du stream. La phobie, j'avais honte en plus devant les gens. Je voulais la haïr vraiment. Je sais pas pourquoi elle a fait ça soudainement. Je suis même pas son humain de compagnie. Je suis juste son humain de référence. Qui fait objet de bouche-trou quand son vrai maître n'est pas là. Bon, définitivement, ce truc-là, ça pue des fesses. C'est pas... Ça a pas beaucoup de goût, c'est chimique, comme dirait Anne. Franchement, ça vaut pas la peine. Bon, je vais les boire, hein, je les ai payés. Mais... voilà. Très déçu. Tu reviens? Tu reviens? Ne me mords pas, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Ne me mords pas. Tu veux sortir? Bon, allez là. Voilà. Bonsoir Louis Verne. On t'arrive à la deuxième partie. Mais on va dire qu'on a juste introduit le récit, donc je pense que tu arriveras toujours à suivre si tu veux rester un peu ce soir. Si madame la chieuse ne nous dérange pas trop. Je pense qu'elle arrivera à ouvrir la fenêtre toute seule. Bon. Donc on va commencer la deuxième partie, qui s'appelle Varius Multiplex Multiformis, un latin de qualité. Merci os00312 runner. Désolé si la notif s'affiche pas. J'ai un problème avec mon setup. D'ailleurs, ceux qui viennent, qui débarquent sur le stream, qui connaissent pas et tout, n'hésitez pas à partager ça à vos potes. Si jamais vous connaissez des gens qui seraient intéressés par les lectures à voix haute. Parce que sachez que je suis la personne, je pense, la moins référencée de Twitch. Donc, c'est vraiment le... Vous avez beaucoup de chance si vous êtes tombé par hasard sur mon stream. Je sais pas comment vous avez fait. Alors... Vraiment 64, Olis, le plus poli de ce chat. Donc, on va commencer en bonne et due forme les mémoires d'Adrien. Puisque le début n'était finalement qu'une... introduction à sa volonté d'écrire ses mémoires. Donc, je me rapproche un peu. Elle veut sortir. Allez, viens. Non. Non. Elle est chiante.
Elle est vraiment chiante. Bon, j'espère qu'elle va pas trop nous déranger. Enfin, vous, elle vous dérange pas, mais moi, elle me tape sur le système. Donc, reprenons là où on en était. Marulinus, mon grand-père, croyait aux astres. Ce grand vieillard émacié et jauni par l'âge me concédait le même degré d'affection sans tendresse, sans signes extérieurs, presque sans paroles, qu'il portait aux animaux de sa ferme, à sa terre, à sa collection de pierres tombées du ciel. Il descendait d'une longue série d'ancêtres établis en Espagne depuis l'époque des Scipions. Il était de rang sénatorial, le troisième du nom. Notre famille jusque-là avait été d'ordre équestre. Il avait pris une part, d'ailleurs modeste, aux affaires publiques sous Titus. Ce provincial ignorait le grec, parlait le latin avec un rauque accent espagnol qu'il me passa et qui fit rire plus tard. Son esprit n'était pourtant pas tout à fait inculte. On a trouvé chez lui, après sa mort, une malle pleine d'instruments de mathématiques et de livres qu'il n'avait pas touchés depuis 20 ans. Il avait ses connaissances, mi-scientifiques, mi-paysannes, ce mélange d'étroits préjugés et de vieille sagesse qui ont caractérisé l'ancien Caton. Mais Caton fut toute sa vie l'homme du Sénat romain et de la guerre de Carthage, l'exacte représentation de la dure Rome de la République. La dureté presque impénétrable de Marulinus remontait plus loin, à des époques plus antiques. C'était l'homme de la tribu, l'incarnation d'un monde sacré et presque effrayant dont j'ai parfois retrouvé des vestiges chez nos nécromanciens étrusques. Il marchait toujours nu-tête, comme je me suis aussi fait critiquer pour le faire. Ses pieds racornis se passaient de sandales. Ses vêtements de jour ordinaire se distinguaient à peine de ceux des vieux mendiants, des graves métaillés accroupis au soleil. On le disait sorcier, et les villageois tâchaient d'éviter son coup d'œil. J'ai vu sa vieille tête s'approcher prudemment, amicalement, d'un nid de vipère, et ses doigts noueux exécuter en face d'un lézard une espèce de danse. Il m'emmenait observer le ciel pendant les nuits d'été, en haut d'une colline aride. Je m'endormais dans un sillon, fatigué d'avoir compté les météores. Il restait assis, la tête levée, tournant imperceptiblement avec les astres. Il avait dû connaître les systèmes de Philolaos et d'Hipparque, et celui d'Aristarque, de Samos, que j'ai préféré plus tard, mais ses spéculations ne l'intéressaient plus. Les astres étaient pour lui des points enflammés, des objets comme les pierres et les lents insectes dont il tirait également des présages, partie constituante d'un univers magique qui comprenait aussi l'évolution des dieux, l'influence des démons et le lot réservé aux hommes. Il avait construit le thème de ma nativité. Une nuit, il vint à moi, me secoua pour me réveiller, et m'annonça l'empire du monde avec le même laconisme grondeur qui lui mit à prédire une bonne récolte aux gens de la ferme. Et puis, saisi de méfiance, il alla chercher un brandon au petit feu des sarments qu'il gardait pour nous réchauffer pendant les heures froides, l'approcha de ma main, et lut dans ma paume épaisse d'enfant de 11 ans, je ne sais quelle confirmation des lignes inscrites au ciel. Le monde était pour lui d'un seul bloc. Une main confirmait les astres. Sa nouvelle me bouleversa moins qu'on ne pourrait le croire. Tout enfant s'attend à tout. Enfin, je crois qu'il oublia sa propre prophétie dans cette indifférence aux événements présents et futurs qui est le propre du grand âge. On le trouva au matin, dans le bois de châtaignier aux confins du domaine, déjà froid et mordu par les oiseaux de proie. Avant de mourir, il avait essayé de m'enseigner son art. Sans succès. Ma curiosité naturelle sautait d'emblée aux conclusions sans s'encombrer des détails compliqués et un peu répugnants de sa science. Mais le goût de certaines expériences dangereuses ne m'est que trop resté. Coucou. Tu me devances aller à la bibli. Perso, je le découvre et j'adore pour le moment. Coucou vidéo Ludiusi. Bienvenue dans notre club.
Ça me fait beaucoup penser ce paragraphe à le roman d'Hildegarde, pardon, que je vous ai critiqué il y a pas si longtemps que ça sur mon Insta. Pas forcément le style, mais ce rapport aux plantes, à la nature, aux sciences, etc., qui fait très sorcière et qui rapporte plus au Moyen-Âge et aux sciences donc médiévales, donc avec l'idée qu'on avait une prévalence sur les astres, la nature, le réel, pour comprendre les choses et ce qui nous entourait. Ça fait très Giono aussi. Beaucoup de références viennent à moi. On est à la page 40, pour ceux qui voudraient suivre avec le roman. Et moi j'ai les éditions Folio Plus, Folio pardon. Donc là c'est la première, deuxième page de la deuxième partie, Varius Multiplex Multiformis. Ah super, merci pour l'info Vidéo Ludiziozi. Putain, j'ai vraiment du mal avec ton pseudo. Désolée. Trop bien en tout cas. Donc n'hésite pas, je pense que ça sera plus simple pour comprendre l'histoire en plus avec le texte. Enfin, je trouve que c'est toujours plus facile. Donc, son père est mort. On voit un peu... On voit un peu... comment, par quoi... En fait là je pense qu'il va faire toute sa généalogie pour voir de quoi il part, quelles sont ses influences, etc. J'imagine. Là en plus il parle de son père, donc ça paraît assez logique. Mon père, Aelius Afer Adrianus, était un homme accablé de vertu. Sa vie s'est passée dans des administrations sans gloire. Sa voix n'a jamais compté au Sénat. Contrairement à ce qui est arrivé d'ordinaire, son gouvernement d'Afrique ne l'avait pas enrichi. Chez nous, dans notre municipal espagnol d'Italica, il s'épuisait à régler les conflits locaux. Il était sans ambition, sans joie, et comme beaucoup d'hommes qui, ainsi d'année en année, s'effacent davantage, il en était devenu à mettre une application maniaque dans les petites choses auxquelles il se réduisait. J'ai connu moi-même ces honorables tentations de la minutie et du scrupule. L'expérience avait développé chez mon père à l'égard des êtres un extraordinaire scepticisme dans lequel il m'incluait déjà tout enfant. Mes succès, s'il y eût assisté, ne l'eussent pas le moins du monde ébloui. L'orgueil familial était si fort qu'on n'eût pas convenu que j'y puisse ajouter quelque chose. J'avais 12 ans quand cet homme surmené nous quitta. Ma mère s'installa pour la vie dans un austère veuvage. Je ne l'ai pas revue depuis le jour où, appelée par mon tuteur, je partis pour Rome. Je garde de sa figure allongée d'espagnol, empreinte d'une douceur un peu mélancolique, un souvenir qui corrobore le buste de cire du mur des ancêtres. Oula. Elle avait des filles de Gadès, les pieds petits dans d'étroites sandales, et le doux balancement de hanches des danseuses de cette région se retrouvait chez cette jeune matrone irréprochable. J'ai souvent réfléchi à l'erreur que nous commettons quand nous supposons qu'un homme, une famille, participe nécessairement aux idées ou aux événements du siècle où ils se trouvent exister. Le contre-coup des intrigues romaines atteignit à peine mes parents dans ce recoin d'Espagne, bien que, à l'époque de la révolte contre Néron, mon grand-père eût offert pour une nuit l'hospitalité à Galba. On vivait sur le souvenir d'un certain Fabius Adrianus, brûlé vif par les Carthaginois au siècle d'Utique, d'un second Fabius, soldat malchanceux, qui poursuivit Mithridate sur les routes d'Asie mineure, obscur héros d'archives privé de faste. Des écrivains du temps de mon père, on ignorait presque tout. Lucain et Sénèque, je ne sais pas, lui étaient étrangers, quoiqu'ils fussent comme nous, originaires d'Espagne. Mon grand-oncle, Aulus, qui était lettré, se bornait dans ses lectures aux auteurs les plus connus du siècle d'Auguste. Ce dédain des modes contemporaines leur épargnait bien des fautes de goût. Il lui avait dû d'éviter toute enflure. L'hellénisme et l'Orient étaient inconnus, ou regardés de loin avec un froncement sévère. Il n'y avait pas, je crois, une seule bonne statue grecque dans toute la péninsule. L'économie allait de pair avec la richesse, une certaine rusticité avec une solennité presque pompeuse. Ma sœur Pauline était grave, silencieuse, renfrognée, et s'est mariée jeune avec un vieillard. La probité était rigoureuse, mais on était dur envers les esclaves. On était curieux de rien, on s'observait à penser sur tout ce qui convient à un citoyen de Rome. De tant de vertus, si ce sont bien là des vertus,
j'aurais été le dissipateur. La fiction officielle veut qu'un empereur romain naisse à Rome, mais c'est à Italica que je suis née. C'est à ce pays sec et pourtant fertile que j'ai superposé plus tard dans tant de régions du monde. La fiction est du bon. Elle prouve que les décisions de l'esprit et de la volonté priment les circonstances. Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Mes premières patries ont été des livres. À un moindre degré, les écoles. Celle d'Espagne s'était ressentie des loisirs de la province. L'école de Terentius Corus à Rome enseignait médiocrement les philosophes et les poètes, mais préparait assez bien aux vicissitudes de l'existence humaine. Les magistères exerçaient sur les écoliers une tyrannie que je rougirais d'imposer aux hommes. Chacun, enfermé dans les étroites limites de son savoir, méprisait ses collègues, qui tout aussi étroitement savaient autre chose. Oh, c'est trop dommage. Bon, si quelqu'un a une petite, un petit lien à partager pour trouver le PDF. Dans le frigo. Oh, pas de soucis, Camille, t'inquiète pas, en plus c'est hyper chill en ce moment là. Mais merci d'être passé nous faire un coucou, c'est super sympa. Bon bah peut-être que d'ici le stream prochain t'auras accès aux livres et tout. Le Yui de Vidéo Ludiusi, j'en suis fan. Yui. Yoi. Je me perds là, dans le chat. Donc on en était où? Il parle de sa famille, il est originaire d'Espagne, il méprise l'éducation à Rome. Donc on parle des éducateurs à Rome. Ces pédants s'enrouaient en disputes de mots. Les querelles de préséance, les intrigues, les calomnies m'ont familiarisé avec ce que je devais rencontrer par la suite dans toutes les sociétés où j'ai vécu et il s'y ajoutait la brutalité de l'enfance. Et pourtant j'ai aimé certains de mes maîtres et ces rapports étrangement intimes et étrangement élusifs qui existent entre le professeur et l'élève et les sirènes chantant au fond d'une voix cassée qui pour la première fois vous révèle un chef-d'œuvre ou vous dévoile une idée neuve. Le plus grand séducteur après tout n'est pas Alcibiade, c'est Socrate. C'est ça en fait. C'est son propre vocabulaire. Les méthodes de grammairien et des rhéteurs sont peut-être moins absurdes que je ne le pensais à l'époque où j'y étais assujettie. La grammaire avait son mélange de règles logiques et d'usages arbitraires, propose aux jeunes esprits un avant-goût de ce qui lui offriront plus tard les sciences de la conduite humaine, le droit ou la morale, tous les systèmes où l'homme a codifié son expérience instinctive. Quant aux exercices de rhétorique où nous étions successivement Xerxès et Thémistocle, Octave et Marc-Antoine, ils m'enivrèrent. Je me sentis protée. Ils m'apprirent à entrer tour à tour dans la pensée de chaque homme, à comprendre que chacun se décide, vit et meurt selon ses propres lois. La lecture des poètes eut des effets plus bouleversants encore. Je ne suis pas sûre que la découverte de l'amour soit nécessairement plus délicieuse que celle de la poésie. Si beau. Celle-ci me transforma. L'initiation à la mort ne m'introduira pas plus loin dans un autre monde que tel crépuscule de Virgile. Plus tard, j'ai préféré la rudesse d'Ennius, si près des origines sacrées, de la race, ou l'amertume savante de Lucrèce, ou, à la généreuse aisance d'Homère, l'humble parcimonie d'Hésiode. J'ai goûté surtout les poètes les plus compliqués, et les plus obscurs, qui obligent ma pensée à la gymnastique la plus difficile, les plus récents ou les plus anciens, ce qui me fraye des voies toutes nouvelles ou m'aide à retrouver des pistes perdues. Mais à cette époque, j'aimais surtout dans l'art des vers qui tombent le plus immédiatement sous le sens. Le métal poli d'Horace, Ovide et sa mollesse de chair. Scorus me désespéra en m'assurant que je ne serais jamais qu'un poète des plus médiocres. Le don et l'application me manquaient. J'ai cru longtemps qu'il s'était trompé.
J'ai quelque part sous clé un ou deux volumes de vers d'amour, le plus souvent imités de Catulle. Mais il m'importe désormais assez peu que mes productions personnelles soient détestables ou non. Je serai jusqu'au bout reconnaissant à Scaurus de m'avoir mis jeune à l'étude du grec. J'étais enfant encore lorsque j'essayais pour la première fois de tracer du stylet ces caractères d'un alphabet inconnu. Mon grand dépaysement commençait, et mes grands voyages et le sentiment d'un choix aussi délibéré et aussi involontaire que l'amour. J'ai aimé cette langue pour sa flexibilité de corps bien en forme, sa richesse de vocabulaire où s'atteste à chaque mot le contact direct et varié des réalités, et parce que presque tout ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec. Il est, je le sais, d'autres langues. Elles sont pétrifiées ou encore à naître. Des prêtres égyptiens m'ont montré leurs antiques symboles, signes plutôt que mots, et fort très anciens de classification du monde et des choses, par les sépulcrales d'une race morte. Durant la guerre juive, le rabbin Joshua m'a expliqué littéralement certains textes de cette langue de sectaires, si obsédés par leur dieu qu'ils ont négligé l'humain. Je me suis familiarisée aux armées avec le langage des auxiliaires celtes. Je me souviens surtout de certains chants. Mais les jargons barbares valent tout au plus pour les réserves qu'ils constituent à la parole humaine et pour tout ce qu'ils expriment sans doute dans l'avenir. Le grec, au contraire, a déjà derrière lui ses trésors d'expérience, celle de l'homme et celle de l'État. Des tyrans ioniens aux démagogues d'Athènes, de la pure austérité d'un Agésilas aux excès d'un Denis ou d'un Démétrius, de la trahison de Démérate à la fidélité de Philopoémène. Ce que chacun de nous peut tenter pour nuire à ses semblables ou pour les servir a au moins une fois été fait par un grec. Il en va de même de nos choix personnels, du cynisme à l'idéalisme, du scepticisme de Pyrrhon au rêve sacré de Pythagore, nos refus ou nos acquiescements ont eu lieu déjà, nos vices et nos vertus ont des modèles grecs. Rien n'égale la beauté d'une inscription latine votive ou funéraire. Ces quelques mots gravés sur la pierre résument avec une majesté impersonnelle tout ce que le monde a besoin de savoir de nous. C'est en latin que j'ai administré l'Empire. Mon épitaphe sera incisée en latin sur les murs de mon mausolée au bord du Tibre, mais c'est en grec que j'aurais pensé et vécu. J'avais 16 ans, je revenais d'une période d'apprentissage auprès de la 7e Légion cantonnée à cette époque en pleine Pyrénées, dans une région sauvage de l'Espagne citérieure, très différente de la partie méridionale de la péninsule où j'avais grandi. Acilius Atianus, mon tuteur, crut bon de contrebalancer par l'étude ces quelques mois de vie rude et de chasse farouche. Il se laissa sagement persuader par Scaurus de m'envoyer à Athènes auprès du sophiste Isée, homme brillant, doué surtout d'un rare génie d'improvisateur. Athènes, immédiatement, me conquit. L'écolier un peu gauche, l'adolescent au cœur ombrageux, goûtait pour la première fois à cet air vif, à ces conversations rapides, à ces flâneries dans les longs soirs roses, à cette aisance sans pareille dans la discussion et la volupté. Les mathématiques et les arts m'occupèrent tour à tour. Recherche parallèle, j'eus aussi l'occasion de suivre à Athènes un cours de médecine de Léotichide, je ne sais pas. La profession des médecins m'aurait plu, son esprit ne diffère pas essentiellement de celui dans lequel j'ai essayé de prendre mon métier d'empereur. Je me passionnais pour cette science trop proche de nous, pour n'être pas incertaine, sujette à l'engouement et à l'erreur, mais rectifiée sans cesse par le contact de l'immédiat et du nu. Léotichide prenait les choses du point de vue le plus positif. Il avait élaboré un admirable système de réduction des fractures. Nous marchions le soir au bord de la mer. Cet homme universel s'intéressait à la structure des coquillages et à la composition des boues marines. Les moyens d'expérimentation lui manquaient. Il regrettait les laboratoires et les salles de dissection du musée d'Alexandrie qu'il avait fréquenté dans sa jeunesse, le choc des opinions, l'ingénieuse concurrence des hommes. Esprit sec, il m'apprit à préférer les choses aux mots, à me méfier des formules, à observer plutôt qu'à juger. Ce grec amer m'a enseigné la méthode. Merci pour la souscription, Lord Orff, et Os, etc., etc. C'est juste que mon setup affiche pas les abonnements, je suis désolée.
Mais n'hésite pas à participer sur le chat, je vois que tu t'abonnes et que tu t'abonnes, mais tu peux discuter avec nous si tu veux. En dépit des légendes qui m'entourent, j'ai assez peu aimé la jeunesse, la mienne moins que toute autre. Je fais partie de ces gens aussi d'ailleurs. Est-ce que vous avez aimé votre jeunesse? Considérée pour elle-même, cette jeunesse tant vantée m'apparaît le plus souvent comme une époque mal dégrossie de l'existence, une période opaque et informe, fuyante et fragile. Il va sans dire que j'ai trouvé à cette règle un certain nombre d'exceptions délicieuses, et deux ou trois admirables dont toi-même, Marc, aurais été la plus pure. En ce qui me concerne, j'étais à peu près à 20 ans ce que je suis aujourd'hui, mais je l'étais sans consistance. Tout en moi n'était pas mauvais, mais tout pouvait l'être. Le bon ou le meilleur étayait le pire. Je ne pense pas sans rougir à mon ignorance du monde que je croyais connaître à mon impatience, à une espèce d'ambition frivole et d'avidité grossière. Faut-il l'avouer, au sein de la vie studieuse d'Athènes où tous les plaisirs trouvaient place avec mesure, je regrettais, non pas Rome, elle-même, mais l'atmosphère du lieu où se font et se défont continuellement les affaires du monde, le bruit des poulies et des roues de transmission de la machine du pouvoir. Le règne de Domitien s'achevait. Mon cousin Trajan, qui s'était couvert de gloire sur les frontières du Rhin, tournait au grand homme populaire. La tribu espagnole s'implantait à Rome. Comparé à ce monde de l'action immédiate, la bien-aimée province grecque me semblait somnolée dans une poussière d'idées respirées déjà. La passivité politique des Hellènes m'apparaissait comme une forme assez basse de renonciation. Mon appétit de puissance, d'argent, qui est souvent chez nous la première forme de celle-ci et de gloire, pour donner ce beau nom passionné à notre démangeaison d'entendre parler de nous, était indéniable. Il s'y mêlait confusément le sentiment que Rome, inférieure en tant de choses, regagnait l'avantage dans la familiarité avec les grandes affaires qu'elle exigeait de ses citoyens, du moins de ceux d'ordre sénatorial ou équestre. J'en étais arrivée au point où je sentais que la plus banale discussion au sujet de l'importation des blés d'Égypte m'en eût appris davantage sur l'État que toute la République de Platon. Déjà quelques années plus tôt, jeune Romain rompu à la discipline militaire, j'avais cru m'apercevoir que je comprenais mieux que mes professeurs les soldats de Léonidas et les athlètes de Pindare. Je quittais Athènes, sèche et blonde, pour la ville où des hommes encapuchonnés, de lourdes toges, luttent contre le vent de février, où le luxe et la débauche sont privés de charme, mais où les moindres décisions prises affectent le sort d'une partie du monde, et où un jeune provincial avide, mais point trop obtus, croyant d'abord n'obéir qu'à des ambitions assez grossières, devait peu à peu perdre celles-ci en les réalisant, apprendre à se mesurer aux hommes et aux choses, à commander, et, ce qui finalement est peut-être un peu moins futile, à servir. Il va vite à son commandement, dis donc. Hein. Tout n'était pas beau dans cet événement d'une classe moyenne vertueuse qui s'établissait à la faveur d'un prochain changement de régime. L'honnêteté politique gagnait la partie à l'aide de stratagèmes assez louches. Le Sénat, par exemple, en mettant peu à peu toute l'administration entre les mains de ses protégés, complétait l'encerclement de Domitien à bout de souffle. Les hommes nouveaux, auxquels me rattachaient tous mes liens de famille, n'étaient peut-être pas très différents de ceux qu'il allait remplacer. Ils étaient surtout moins salis par le pouvoir. Les cousins et les neveux de province s'attendaient au moins à des places subalternes, encore leur demandait-on de les remplir avec intégrité. J'eus la mienne, je fus nommée juge au tribunal chargé des litiges d'héritage. C'est de ce poste modeste que j'assistais au dernier passé du duel à mort, entre Domitien et Rome. Bonne soirée à toi, Nanka. Et à bientôt. À demain si tu veux assister à la suite de la lecture. C'est de ce poste modeste que j'assistais au dernier passe du duel à mort. Du duel à mort entre Domitien et Rome. L'empereur avait perdu pied dans la ville, où il ne soutenait plus qu'à coup d'exécution, qui hâtait sa fin, l'armée tout entière, qui complotait sa mort. Je compris peu de choses Je compris peu de choses à cette escrime plus fatale encore que celle de la reine.
Je me contentais d'éprouver pour le tyran aux abois le mépris un peu arrogant d'un élève des philosophes. Bien conseillé par Atianus, je fis mon métier sans trop m'occuper de politique. Cette année de travail différa peu des années d'études. Le droit m'était inconnu, j'eus la chance d'avoir pour collège au tribunal Neratius Priscus, qui consentit à m'instruire et qui est resté jusqu'au jour de sa mort mon conseiller légal et mon ami. Il appartenait à ce type d'esprit si rare, qui possédait à fond une spécialité, la voyant pour ainsi dire du dedans et d'un point de vue inaccessible aux profanes, gardant cependant le sens de sa valeur relative dans l'ordre des choses, la mesurant en termes humains. Plus versé qu'aucun de ses contemporains dans la routine de la loi, il n'hésitait jamais en présence d'innovations utiles. C'est grâce à lui plus tard que j'ai réussi à faire opérer certaines réformes. D'autres travaux, s'imposèrent. J'avais conservé mon accent de Provence. Alors mon premier discours au tribunal fut éclaté de rire. Je mis à profit mes fréquentations avec les acteurs, par lesquels je scandalisais ma famille. Les leçons d'élocution furent pendant de longs mois la plus ardue, mais la plus délicieuse de mes tâches, et le mieux gardé des secrets de ma vie. Alors pour l'instant, j'aime beaucoup. Après, j'avoue que j'ai été complètement prise par l'intro, avec la lettre et le petit paragraphe qui précède les mémoires. Là, je trouve que c'est une narration un peu longue, puisqu'il déroule toute sa généalogie. Après, peut-être que quand on va arriver au moment de l'empereur, ça va être plus intéressant. Oui, on retrouve les notifications. Merci Camille. Je suis trop contente. Merci pour l'abonnement. peut-être que c'est juste les souscriptions qui fonctionnent pas, mais les abonnements, ça fonctionne. Du coup, je disais que j'ai beaucoup aimé la première partie. Là, la deuxième partie, je la trouve un peu intéressante, mais très narrative, beaucoup moins forte et puissante que le début. Après, bon, il faut bien introduire le récit tout de même. Mais bon, à voir comment ça évolue. Mais pour rebondir sur ce que tu m'as dit, c'est le premier vrai roman de Yourcenar que je lis. Mais j'ai lu son adaptation... du Minotaure que j'ai trouvé à mourir d'ennui. Donc pour l'instant mon cœur balance. J'ai aimé la première partie, là je trouve ça un peu plat, enfin plat, n'allons pas jusque là, mais un peu linéaire. Donc je serais pas encore à te donner un avis final. Et je sais pas pour toi ce que t'en penses à la lecture, à l'écoute, si c'est vraiment chiant pour toi, si ça te rappelle les méandres de l'œuvre noire, ou si ça va. Alors, je mis à profit mes fréquentations avec le théâtre et les acteurs par lesquels je scandalisais ma famille. Les leçons d'élocution furent pendant de longs mois la plus ardue mais la plus délicieuse de mes tâches et le mieux gardé des secrets de ma vie. La débauche même devenait une étude dure durant ces années difficiles. Je tâchais de me mettre au ton de la jeunesse dorée de Rome, mais je n'y ai jamais complètement réussi. Bah, je compte sur toi pour me faire tes petits retours. Par une lâcheté propre à cet âge, dont la témérité toute physique se dépense ailleurs, je n'osais qu'à demi me faire confiance à moi-même. Dans l'espoir de ressembler aux autres, j'émoussais ou j'aiguisais ma nature. On m'aimait peu. Il n'y avait d'ailleurs aucune raison pour qu'on le fît. Certains traits, par exemple le goût des arts, qui passait inaperçu chez l'écolier d'Athènes et qui allait être plus ou moins généralement accepté chez l'empereur, gênait chez l'officier et le magistrat au premier stage de l'autorité. Mon hellénisme prêtait à sourire, d'autant plus que je l'étalais et le dissimulais maladroitement tour à tour. On m'appelait au Sénat l'étudiant en grec. Je commençais à avoir ma légende, ce reflet miroitant, bizarre, fait à demi de nos actions, à demi de ce que le vulgaire pense d'elle. Des pleudeurs éhontés me déléguaient leurs femmes, s'ils savaient mon intrigue avec l'épouse d'un sénateur, leur fils quand j'affichais follement ma passion pour quelques jeunes mimes. Il y avait plaisir à confondre ces gens-là par mon indifférence. Les plus piteux étaient encore ceux qui, pour me plaire, m'entretenaient de littérature. La technique... Vraiment, la base des gens qui viennent me parler de m'entretenir de littérature pour venir me parler. Oui, je me compare à un empereur, à juste titre. La papesse de la lecture à voix haute.
La technique que j'ai dû élaborer, il faut que je prenne des notes là. La technique que j'ai dû élaborer dans ces postes médiocres m'a servi plus tard pour mes audiences impériales. Être tout à chacun pendant la brève durée de l'audience, faire du monde une table rase où n'existait pour le moment que ce banquier, ce vétéran, cette veuve, accorder à ces personnes si variées, bien qu'enfermées naturellement dans les étroites limites de quelques espèces, toute l'attention polie qu'au meilleur moment on s'accorde à soi-même. Être tout à chacun pendant la brève durée de l'audience, faire du monde une table rase où n'existait pour le moment que ce banquier, ce vétéran, cette veuve, accorder à ces personnes si variées, bien qu'enfermées naturellement dans les étroites limites de quelques espèces, toute l'attention polie qu'au meilleur moment on s'accorde à soi-même, et les voir presque immanquablement profiter de cette facilité pour s'enfler comme la grenouille de la fable. Enfin, consacrer sérieusement quelques instants à penser à leurs problèmes ou à leurs affaires. C'était encore le cabinet du médecin. J'y mettais à nu d'effroyables vieilles haines, une lèpre de mensonges. Mari contre femme, père contre enfant, collatéreux contre tout le monde, le peu de respect que j'ai personnellement pour l'institution de la famille n'y a guère résisté. Il nous faut un hymne. Je ne méprise pas les hommes. Si je le faisais, je n'aurais aucun droit ni aucune raison d'essayer de les gouverner. Je les sais vains, ignorants, avides, inquiets, capables de presque tout pour réussir, pour se faire valoir, même à leurs propres yeux, ou tout simplement pour éviter de souffrir. Je le sais, je suis comme eux, du moins par moments, où j'aurais pu l'être. Entre autrui et moi, les différences que j'aperçois sont trop négligeables pour compter dans l'addition finale. Je m'efforce donc que mon attitude soit aussi éloignée de la froide supériorité du philosophe que de l'arrogance du César. Les plus opaques des hommes ne sont pas sans lueur. Cet assassin joue proprement de la flûte, ce contremaître déchirant à coups de fouet le dos des esclaves est peut-être un bon fils. Cet idiot partagera avec moi son dernier morceau de pain. Il y en a peu auxquels on ne puisse apprendre convenablement quelque chose. Notre grande erreur est d'essayer d'obtenir de chacun en particulier les vertus qu'il n'a pas, et de négliger de cultiver celles qu'il possède. J'appliquerai ici à la recherche de ces vertus fragmentaires ce que je disais plus haut, voluptueusement, de la recherche de la beauté. Il a fait sa généalogie, il raconte son rapport aux autres et comment il est devenu empereur finalement. Ça a l'air d'être un mec plutôt noble et sain par rapport à beaucoup de dictateurs à cette époque. Enfin, dictateurs. Conquérants. J'ai connu des êtres infiniment plus nobles, plus parfaits que moi-même, comme ton père, Antonin. J'ai fréquenté bon nombre de héros et même quelques sages. J'ai rencontré, chez la plupart des hommes, peu de consistance dans le bien, mais pas davantage dans le mal. Leur méfiance, leur indifférence, plus ou moins hostile, cédait presque trop vite, presque honteusement, se changeait presque trop facilement en gratitude. En respect, d'ailleurs sans doute aussi peu durable. Leur égoïsme pouvait être tourné à des fins utiles. Je m'étonne toujours que si peu m'aient haï. Je n'ai eu que deux ou trois ennemis acharnés dont j'étais, comme toujours, en partie responsable. Quelques-uns m'ont aimé, ceux-là m'ont donné beaucoup, plus que je n'avais le droit d'exiger, ni même d'espérer d'eux, leur mort, quelquefois leur vie. Et le Dieu qu'ils portent en eux se révèle souvent lorsqu'ils meurent. Il n'y a qu'un seul point sur lequel je me sens supérieur au commun des hommes. Je suis tout ensemble plus libre et plus soumis qu'ils n'osent l'être. Presque tous méconnaissent également leur juste liberté et leur vraie servitude. Ils maudissent leur liberté, ils maudissent leur fer, ils semblent parfois s'en vanter. D'autre part, leur temps s'écoule en vaine licence. Ils ne savent pas se tresser à eux-mêmes le joug le plus léger. Pour moi, j'ai cherché la liberté plus que la puissance. Ce qui m'intéressait n'était pas une philosophie de l'homme libre, mais une technique. Je voulais trouver la charnière où notre volonté s'articule au destin, où la discipline seconde au lieu de la freiner la nature. On comprend bien qu'il ne s'agit pas ici de la dure volonté du stoïque,
dont tu t'exagères le pouvoir, ni de je ne sais quel choix ou quel refus abstrait qui insulte aux conditions de notre monde plein, continu, formé d'objets et de corps. J'ai révélé d'un plus secret acquiescement ou d'une plus souple bonne volonté. La vie m'était un cheval dont on épouse les mouvements, mais après l'avoir de son mieux dressé. Tout en somme, étant une décision de l'esprit mais lente, mais insensible, et qui entraîne aussi l'adhésion du corps, je m'efforçais d'atteindre par degrés de cet état de liberté ou de soumission presque pure. C'est très métaphorique tout ce qu'il raconte. Ouh, pardon. Pour atteindre donc ce degré de liberté et de soumission, la gymnastique me servait, la dialectique ne m'inuisait pas. Donc on reprend cette thématique du corps et de l'esprit. Je cherchais d'abord une simple liberté de vacances, des moments libres, toute vie bien réglée à les siens, et qui ne sait pas les provoquer, ne sait pas vivre. J'allais plus loin. J'imaginais une liberté de simultanéité, où deux actions, deux états seraient en même temps possibles. J'appris par exemple, me modélant sur César, à dicter plusieurs textes à la fois, à parler en continuant à lire. J'inventais un mode de vie où la plus lourde tâche pourrait être accomplie parfaitement sans m'engager tout entier. En vérité, j'ai parfois osé me proposer d'éliminer jusqu'à la notion physique de fatigue. À d'autres moments, je m'exerçais à pratiquer une liberté d'alternance. Les émotions, les idées, les travaux devaient à chaque instant rester capables d'être interrompus puis repris. Et la certitude de pouvoir les chasser ou les rappeler, comme des esclaves, leur enlevait toute chance de tyrannie et à moi tout sentiment de servitude. Je fis mieux. J'ordonnais toute une journée autour d'une idée préférée, que je ne quittais plus. Tout ce qui aurait dû m'en décourager ou m'en distraire, les projets ou les travaux d'un autre ordre, les paroles sans portée, les mille incidents du jour, prenaient appui sur elles comme des pampres sur un fût de colonne. D'autres fois, au contraire, je divisais à l'infini. Chaque pensée, chaque fait, était pour moi rompu, sectionné en un fort grand nombre de pensées ou de faits plus petits, plus aisés, à bien tenir en main. Les résolutions difficiles à prendre s'émiettaient en poussière, en une poussière de décisions minuscules, adoptées une à une, conduisant l'une à l'autre et devenues de la sorte inévitables et faciles. Il ne reste plus qu'une page avant la fin de cette lecture de la soirée. Mais en tout cas pour lui, la liberté d'esprit, la liberté, elle passe par justement la maîtrise de son corps, de son esprit. Là, cette fois, il parle pas forcément que du corps, il parle juste de la pensée. Mais c'est encore à la liberté d'acquiescement, la plus ardue de toutes, que je me suis le plus rigoureusement appliquée. Je voulais l'état où j'étais. Dans mes années de dépendance, ma sujétion perdait ce qu'elle avait d'amère, ou même d'indigne, si j'acceptais d'y voir un exercice utile. Je choisissais ce que j'avais, m'obligeant seulement à l'avoir totalement et à le goûter le mieux possible. Les plus morts de travaux s'exécutaient sans peine pour peu qu'il me plût de m'en éprendre. Dès qu'un objet me répugnait, j'en faisais un sujet d'étude. Je me forçais adroitement à en tirer un motif de joie. En face d'une occurrence imprévue ou quasi désespérée, d'une embuscade ou d'une tempête en mer, toutes les mesures concernant les autres étant prises, je m'appliquais à faire fête au hasard, à jouir de ce qu'il m'apportait d'inattendu. Et l'embuscade ou la tempête s'intégrait sans heurte dans mes plans ou dans mes songes. C'est intéressant en fait parce que là où je voyais juste une énumération, comment dirais-je, de moyens d'arriver à une supériorité sur les autres, d'arriver à la meilleure version de soi-même. Merci pour ta souscription, Johnny Depp. En fait, c'est plutôt un plan de politique pour être empereur. Parce que là, en l'occurrence, le fait le fait d'anticiper les actions pour éviter d'avoir des petites embuscades, des embûches, etc. pendant ses parcours, ça prouve bien vraiment une maturité de réflexion et vraiment une façon presque méthodique de voir sa vie et que c'est vraiment dirigé de manière très...
politique, je trouve. Je sais pas si vous me suivez. Mais finalement, en fait, il explique comment, par sa volonté de se dominer et d'être libre à tout à la fois, et il a réussi à être capable de bien diriger, je pense. Même au sein de mon pire désastre, j'ai vu le moment où l'épuisement enlevait à celui-ci une part de son horreur, où je le faisais mien en acceptant de l'accepter. Si j'ai jamais à subir la torture, et la maladie va sans doute s'en charger de m'y soumettre, je ne suis pas sûre d'obtenir longtemps de moi-même l'impossibilité d'un Teresas, mais j'aurai du moins la ressource de me résigner à mes cris. Et c'est de la sorte, avec un mélange de réserve et d'audace, de soumission et de révolte, soigneusement concertée, d'exigences extrêmes et de concessions prudentes, que je me suis finalement acceptée moi-même. Ah, je ne sais pas. J'avais interprété ça comme vraiment une ligne de conduite pour diriger, mais lui, il estime que c'est comme ça qu'il s'est accepté lui-même. Sous trois manières, il a réussi à atteindre la liberté. Premièrement, accomplir une tâche sans s'engager en entier. Ordonner toute une journée autour d'un sentiment qu'on adore. Ou bien diviser toutes ses pensées à l'infini. Ça veut dire être capable de contrôler son esprit sans se laisser perturber par lui, perturber par les actions. Et enfin, la plus dure de toutes, anticiper les actions qui pourraient le contraindre. Donc finalement, pour lui, le meilleur moyen de s'accepter, c'est d'avoir un contrôle parfait sur sa pensée et d'être non, et de ne pas être esclave de ses émotions et de ses pensées. Mais ça donne le sentiment que finalement, il y a un être autre à l'intérieur de lui qui agit avec ou contre lui et qui serait capable d'éduquer. C'est un peu bizarre, je trouve. Il y a une dissociation qui est un peu étrange. Je sais pas si vous avez le sentiment que on dirait qu'il se dissocie un peu lui-même pour avoir ce contrôle-là. Après, tout ça n'est que, voilà, que, comment dirais-je, que réflexion, hein. Je ne sais pas si je vais dans la bonne direction. Mais en tout cas, si je ne m'abuse, nous sommes arrivés à la fin de notre première partie de lecture des mémoires d'Adrien. Puisque si j'ai bien calculé, eh bien, il faudrait qu'on lise à peu près 50 pages par jour pour arriver à tout lire en une semaine. Vous vous rendez compte comme ça fait pas si long que ça une semaine pour lire, pour ceux que ça paraît peut-être infranchissable de terminer Marguerite Yourcenar. On a tous les soirs de la semaine pour lire ça tous ensemble et être certain de le terminer à temps et de certain de le finir. En étant bien accompagné en tout cas j'espère. Bon en tout cas cette première partie reste encore très intrigante parce que finalement on n'en est qu'aux prémices des mémoires d'Adrien. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrête. Ah ça arrête dans pas très longtemps. Ah non, attends pour moi, attendez. Ah non, voilà, c'est très très long. Multiplex formis, elle s'arrête à la page 100. Donc je pense que demain, on aura une vision un peu plus claire des mémoires d'Adrien. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse pour savoir un peu la suite et avoir une réflexion un peu plus construite sur cette lecture. J'espère quand même que mes babillements autour de l'histoire vous ont intéressé. C'est pas forcément facile d'étudier à chaud une œuvre comme ça sans avoir jamais entendu parler de l'auteur. Mais j'aimerais beaucoup avoir vos retours. N'hésitez pas, soit dans le chat, soit après en DM, à me parler avec moi de la lecture et me dire ce que vous en pensez. Je suis contente en tout cas d'entamer cette semaine de lecture avec vous. Ça fait longtemps que je m'étais pas challengée à faire ça. Et finalement, ici, c'est cool parce que le format est propice à une lecture d'une semaine. 50 pages, c'est pas trop long, ni pour vous, ni pour moi. En tout cas, j'ai la sensation que ça l'est pas. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours si vous voulez plus de pauses ou bien si vous estimez que c'est trop long. Merci Camille pour tes retours. Je sais qu'il y en a plein qui aiment beaucoup les réactions et tout à chaud. Mais après, moi, en fait, c'est difficile d'avoir un retour sur ce que je fais. Comme tout est en direct, je me rends pas compte de la qualité de ce que je fais. Je me rends pas compte si ce que je dis c'est stupide ou pas. Et donc j'ai toujours un peu ce sentiment d'être dans le flou. Donc c'est un peu la roue libre, mais c'est quand même cool de partager ces moments-là avec vous. En tout cas, voilà. Aïe.
Ouais, je trouve aussi que c'est cool. Ça fait pas trop tard, sachant quand même j'ai pris beaucoup de moments pour discuter. Il y a quand même une pause à peu près à la moitié. Je trouve que c'est vraiment raisonnable. Donc je vais rester sur 20h50, je pense, si ça vous convient. J'hésitais à rebasculer sur 21h30, mais finalement 20h50 c'est cool. Si on fait ça tous les soirs, je pense que c'est cool pour moi, même pour éviter d'être morte au taf. Je pense aussi que je suis pas la seule à avoir des horaires un peu imposés. En tout cas, on se retrouve demain à la même heure, du coup, pour continuer la lecture, pour ceux que ça intéresse. Et je vais mettre la rediff juste après, là. Comme ça, vous pourrez écouter. Par exemple, j'ai vu Nanka qui était partie un peu plus tôt. Ceux qui n'ont pas trop pu avoir le temps d'assister à la lecture, je la mets en rediff là. Et après, je la republierai sur YouTube. Comme ça, vous pourrez avoir le temps de l'écouter quand vous le souhaitez, quand vous avez le temps. Je pense que j'ai rien de plus à dire sur la lecture, en tout cas, j'ai pas le sentiment. Et sinon. Normalement dimanche, si je suis vraiment efficace, il va y avoir une nouvelle vidéo qui va sortir sur ma chaîne. Avec encore un peu des pins et fluffs de l'été. Après, promis, je passerai à la rentrée littéraire et j'ai quand même quelques idées. Je séchais un peu, mais là c'est bon, je suis repartie un peu dans le bain. Voilà, soyez attentifs si jamais vous aimez mes vidéos. Merci à tous ceux qui ont souscrit à un abonnement ou qui m'ont juste suivi ce soir. J'espère que cette petite semaine aussi va ramener des nouvelles personnes. N'hésitez pas à en parler autour de vous si jamais vous avez une idée de quelqu'un qui passera son bac ou que ça pourrait être tout simplement intéressé pour l'amour des classiques. C'est toujours cool d'agrandir un peu la team. Et merci d'ailleurs à Camille d'avoir modéré un peu le stream ce soir en fin de soirée. C'est cool d'être passée. Bon, je vais pas vous tenir en laisse plus longtemps. Merci Anne, j'espère que ça a bien accompagné ton petit moment de puzzle. Merci à 64 Olys d'être passée. Merci à Enchantée, je suis stupide. Elle est passée juste brièvement, mais cool aussi. Croûte de genoux aussi, mais cool aussi. 100 mm qui est passée. Il y a Imadfat qui m'a demandé, il m'a donné son surnom et que j'ai déjà oublié. Letty. Bon, je sais pas qui est encore là ce soir à cette heure-ci. Mais merci beaucoup d'être passée sur mon chat. Faut discuter avec moi, écouter la lecture. Je suis très contente de commencer tout ça. Et on se retrouve demain. On se retrouve demain. Je sais pas si loin en fait. Je parle comme si on allait pas se voir avant une semaine, mais en fait on se retrouve demain. Du coup à demain. Bonne soirée, bon week-end. Et puis bonne rediff pour ceux qui l'écoutent seulement après coup. Ciao!